Je ne vous soutiens pas, cherche un œil droit, s'il vous plaît. Il recherche un œil droit. Ceci est un avis de recherche national. Hein. On cherche l'œil de Click, le gars là, le concon d'internet là. Si vous trouvez son œil, il n'y a rien à gagner. Mais ça serait bien de lui rendre. Ouais, ouais, Jax qui vient d'offrir. Plein. 10 subs quoi, c'est bon ça. Y a du monde qui resub. Mais vous m'avez manqué, j'ai mal. Mais vous m'avez manqué. J'étais enfermé dans moi-même. C'était l'enfer du cul. Sauvez-moi. Ceux qui ont vu Instagram ont déjà le reveal de ma tête. Les autres, non. Activation Miguel 2.0 Bionique Individu hors du temps et de l'espace Intuable Look
23e mois, bravo, merci à Dr Valou, 2e mois, merci à Décor, 5e mois, Aramix, 3e, moi, merci à Jax qui a offert du Beats, Fayal, 7e mois, Redness, 24e mois, Bonpix, 12e mois, Nox, 8e mois, Jimmy, 7e mois. McCoy, 24e mois. Holy the Good, 53e mois. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le ring. Le ring du RP, Jufia, 5e mois, Clem, 25e mois, Axel, 5e mois. Ah bah la musique est finie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h17, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et un bon week-end. Je n'étais pas là hier. Quel enfer, j'ai eu un accident qui explique les lunettes de soleil, car dessous, un œil est complètement foiré. Mesdames et messieurs, et en vrai, cette astuce me permet de regarder toutes les lumières, sinon je suis photosensible. Ce qui veut dire que j'ai hyper mal du fion, voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à ceux qui viennent de Rossum, notamment Junior, 4e mois, parmi nous. Merci à Junior, à mon heure de la cheminée. Merci à toi pour le 5e mois, le 3e mois même. Merci à Jack Caméléon, merci à toi pour le 8e mois, parmi nous. Merci à Sebo FCN, merci à toi pour le 7e mois. Merci à Junior, que j'ai déjà dit. Merci à 5, 8e mois, parmi nous, ça fait plaisir. Merci à toi, merci à Stokaz aussi pour le 5e mois. Merci à tous ceux qui ont re-sub, sub, offert des subs, mesdames et messieurs. Notamment Kernik pour le 51e mois. Merci à Monopov pour le 8e mois. Et Papa Guise pour le 2e mois. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, comment ça va vous? Ça va la forme et tout ça? Oh, j'ai pas mis la version rouge, la version en colère. Oh, épique celle-là! On va laisser la bleue. Mon œil ne peut pas faire la version rouge, on va en parler. La version, j'attendais en l'artès, vite fait. Ah, alors là, ça va, ça fait beaucoup trop mal. Mesdames et messieurs, bonjour. On va parler justement du RP en plus que vous n'avez pas vu. On va refaire le tracing depuis dimanche. Que s'est-il? Cette musique donne trop envie de danser, putain. Danseur. Danseur professionnel. J'étais avec Kamel Wally. Le pauvre en a eu marre. Putain, ouais, manqué. Allô. Ah, ça me haille beaucoup trop, beaucoup trop. Bref, comment va l'œil? Ah bon, on va en parler de l'œil, mesdames et messieurs. L'œil va mal, enfin va mal. J'ai pas tout compris. Hein. Mon ophtalmo m'a fait peur. Bref, alors si je dois refaire le ce qui s'est passé, voilà, très rapidement pour vous dire ce qui s'est passé. Alors, en fait, dimanche, je reprends mon souffle, j'avais un match de softball. Pour ceux qui ne connaissent pas le softball, c'est comme le baseball avec une balle plus grande, en intérieur ou en extérieur, avec un terrain un peu plus court, encore plus cardio. Bref, bon, jusque là, tout va bien. Premier match, is ok. On se fait cartonner la gueule. En même temps, on est une jeune équipe, on débute tout juste. Donc on se fait cartonner la gueule, tout va bien. La deuxième... En fait, à chaque changement, un coup t'es en attaque, tu battes et un coup t'es en défense. Et moi, je suis première base. Et mon rôle de première base, il est de renvoyer des balles à ma deuxième case, au short, à la troisième, et eux me la renvoient. Il y a une balle, au moment de la préparation, que je lance loin sur le terrain. Voilà. Donc les protections au softball, c'est assez simple. C'est
en attaque un casque, en défense ta casquette, ton gant, et surtout il y a une règle qui est d'avoir toujours une main de sécu. D'accord ? Voilà. Et là, je balance la balle hyper loin. La balle arrive au bout du terrain. Et là, en plus, c'est pas n'importe qui, c'est le président de la fédération de baseball, softball de l'Atlantique qui m'envoie une cartouche, Pépé. Il m'envoie une de ses cartouches. Et moi, je vais pour la prendre au sol, mais je n'ai pas ma main de protection. Comme un grand teubé du village, je me dis que je suis meilleur que tout le monde. Il n'y a pas de raison, cette main de protection ne sert à rien, bien entendu. Elle ne sert à rien. Voilà. Et là, je lance mon gant, et la balle, elle tape le sol à 2 cm de mon gant. Et quand je te dis à 2 cm, et là dans ma tête, je me dis « Ah merde !» Et elle rebondit, et finit dans ma gueule. Sachant que c'est quelqu'un qui a l'habitude, qui m'a lancé une sucrète, qui a rebondi en prenant de la vitesse. Comment t'expliquer ? Comment t'expliquer ? Au début, ils ont cru que je faisais tous le con, puis après, ils sont approchés en mode « Ah le con, ça va ? Alex ?» Voilà. Et donc, ça fait Rockstar à une lunette passée. Écoute, c'est le seul moyen de vous parler. Je ne peux pas enlever cette lunette et laisser la lumière. Mon œil droit est photosensible. Ce qui fait que l'œil, j'ai tout de suite eu hyper mal. Impossible de le réouvrir. Ça avait pété dedans. Ça avait pété dedans. Bref, c'était le... Voilà. Heureusement que c'était pas une balle dure. Je pense, ouais, c'est au softball, les balles sont plus grosses et molles. Ce qui fait que ça a été arrêté par l'arcade. Et ça a absorbé un petit peu le choc. Voilà. Donc c'est une erreur purement de ma part, en fait. C'est pas une erreur du lanceur, c'est une erreur bien du défenseur qui est moi. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Ce qui fait que derrière, j'ai eu hyper mal. Tout le monde voulait m'emmener à l'hôpital. Moi, bon, voilà. J'étais entre les deux. J'ai eu un médecin du SAMU qui m'a demandé un peu comment c'était. Qui m'a dit, bon, un dimanche, je crois pas engorgé, etc. Bon, l'ophtalmo m'a dit aujourd'hui que j'aurais dû aller aux urgences. Voilà. Et donc, bah, juste derrière, j'ai eu mal. Hein. J'ai eu beau être matinal. Putain, l'œil, ça fait mal. Hein. Je voulais qu'on en parle. L'œil, ça fait vachement mal. Voilà. Donc le premier jour, je pouvais même pas ouvrir l'œil. J'avais hyper mal, j'ai laissé la main dessus et tout, il fallait que ça soit dans le noir. Hier, c'était un peu mieux. J'ai vu mon médecin traitant qui m'a donné de la pommade avec, vous savez, la vitamine A. Ça a aidé un petit peu. Et puis aujourd'hui, donc j'ai vu, je commence à pouvoir le réouvrir un petit peu. Mais je suis hyper photosensible, ça me donne des migraines et tout. Ce qui fait qu'en fait, le seul moyen de tricher, c'est ces lunettes. Ce sont des lunettes de soleil et anti-lumière bleue. Que j'ai, mon opticien m'a dit, attends, prends ça, reste pas dans la merde. Voilà, donc alors ce qu'il faut savoir c'est que l'œil en plus cicatrise très vite. Ce qui fait que j'ai vu mon ophtalmo ce matin. Et vous savez qu'on a, on a un problème en France, on n'a pas d'ophtalmo. Donc résultat, on a des gens en fait, on a des médecins des pays de l'Est qui sont venus en France pour, voilà, pour des, là où on avait des besoins en fait, qui sont très bien. Mais moi j'ai toujours l'impression qu'ils m'engueulent. Résultat, j'ai pas tout compris ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit c'est grave, c'est pas grave. Voilà, elle m'a engueulé un petit peu. Comme quoi j'étais pas aux urgences. Et donc en gros, bah, l'idée, c'est qu'elle m'a expliqué que ma cornée, il y a un tiers de ma cornée qui a été touchée. Mais c'est pas grave. Quand elle te dit ça, elle te dit « Alors, il y a un tiers de la cornée qui a été touchée !» Je vous fais pas l'accent des pays de l'Est, mais voilà. « Il y a un tiers de la cornée qui est touchée. » Alors moi, j'étais en mode « Ah, mais c'est pas grave !»« Ah, mais faut quand même traiter sinon c'est grave !»« Ah, parce que c'est pas bien !»« Ah, ok, bonjour, calmez-vous !» Voilà. Donc, donc voilà. Donc j'ai un tiers de la cornée légèrement déformée et touchée. Voilà, donc normalement ça devrait cicatriser sous 72 heures. Sous 72 heures, elle a dit, voilà, au mieux c'est 72 heures. Ce qui fait que pour le week-end j'aurais récupéré une partie normale. Tout ce qui est plus profond, il faut compter 7 à 10 jours. Voilà, donc ça va, jusque là, tout va bien. Et voilà. Et après j'ai des visites de contrôle pour éviter la cataracte. Et je savais pas ce que c'était la cataracte, en fait, bah, c'est à cause du choc et des lésions, bah, il pourrait y avoir par la suite des baisses d'acuité visuelle. Pour l'instant, je suis passé de 10 sur 10 à 7 sur 10 sur mon œil droit, ce qui fait que j'ai perdu 3 sur 10. Voilà, donc ça devrait revenir petit à petit, voilà. Mais en soi, ouais, l'erreur, elle vient de moi, en fait. Donc vous étiez tous là à m'envoyer des messages, « Oh là là, c'est un salaud celui qui t'a envoyé ça !» Mais calmez-vous. Mais calmez-vous, nom de Dieu. On dirait que t'as une gueule de bois. Bah écoute, je commence à pouvoir re-regarder les écrans. Peut-être que je ferai une pause dans la soirée. Peut-être que je vous dirai, les gars, on fait 2 secondes de pause. Je ferme mes yeux. Faut que je, voilà, je me fous dans le noir. Le temps de revenir. Voilà. Est-ce que tu es toujours apte à faire des gardes? Ouais, je suis apte à tout. Je suis apte à tout en fin de semaine. Donc voilà. Alors pour information, on va en reparler deux choses. Puisqu'on va parler de demain, on sera en direct de Lyon, mesdames et messieurs, avec chaud. On va en parler, il va y avoir du RP, bref, je vais vous parler un peu de la semaine et de la semaine prochaine qui sera la semaine de vacances. Mais avant, mesdames et messieurs, je vais vous demander de participer pour cette chaîne, mesdames et messieurs. Il y a les
les offres de Noël chez NordVPN. Et j'aimerais que vous fassiez un truc pour moi, c'est que tout le monde clique sur ce lien que je vous donne là. Au moins cliquez, juste cliquez une fois, ouvrez-moi la fenêtre, histoire d'y aller, d'aller voir, de faire plaisir aussi aux partenaires, etc. D'aller voir ces offres là, au moins juste de les regarder, de cliquer pour faire plaisir et pour aider cette chaîne. Voilà, si vous le voulez bien mesdames et messieurs, vous me bombardez ce lien, vous y allez, vous m'ouvrez au moins une fois le lien. S'il vous plaît, si t'es chez toi, tu te dis allez vite fait, je prends son lien. Pour une fois, que tu sois sub ou pas sub, let's go, la communauté de l'amour. Du clic, du clic, du clic, du clic, on y va. Allez, je le remets. Merci à ceux qui resubent d'ailleurs. Merci à Vinsaro. Merci à Nodia44. Merci pour le 8e mois. Merci à Matserg, 8e mois. Merci à Zlotan pour le 7e mois. Je suis désolé à tous ceux que je n'ai pas cités pendant que je racontais toutes mes histoires. Merci à vous d'avoir sub, resub ou offert des subs ou bitsé ou tout simplement d'être présent. Et le moment, il est maintenant de pouvoir cliquer sur ce lien. Je vais d'ailleurs vous parler de deux ou trois choses hyper importantes. Parce que c'est des choses qui avancent. Alors, est-ce qu'on parle d'abord? Et après, on va aller en RP, ne vous inquiétez pas. On avait dit 20h30, le RP, tout va bien. Merci à vous, vous êtes les meilleurs. Vous êtes the best communauté. The best. Voilà, ce genre de choses importantes, c'est les sponsors et ils ont besoin de temps en temps, c'est important. Et puis ça vous coûte que dalle. J'ai des nouvelles du bus. J'ai des nouvelles de Miguel la série. J'ai des nouvelles de la BD. J'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles de la boutique. J'ai pas mal de trucs à vous dire ce soir avant d'aller en RP. D'abord, avant ça, je vous parle du programme de la semaine. Demain, je pars en train, je fais 6 heures de train pour aller à Lyon. Je rejoins Show pour une émission qui s'appelle Top 1 avec la Fnac et Intel. Non, la Fnac et AMD, la Fnac et... La Fnac ! Je vais encore faire de la merde, sinon avec la FNAC. On sera avec Shaw, l'objectif c'est top 1 en équipe de 4. Je crois qu'on est deux recrues devoir faire un top 1, il y a moi-même et JL Amaru. Voilà, donc ça va être assez cool. Je fais 6 heures de train pour y aller parce que je ne peux plus prendre l'avion. Voilà, l'ophtalmo m'a dit qu'on évite l'avion avec mon œil pour éviter une surtension. J'ai pas tout compris, écoute, m'a dit on évite, moi je l'écoute. Ce qui fait que je pars faire 6 heures de train demain, et puis après je reviens jeudi, voilà, ce qui fait qu'il y aura du live le soir, donc demain ça sera top 1 avec Show, Norby, etc, ça sera demain, je voulais retweeter si vous voulez aller voir, je vous mettrai aussi toutes les infos, toutes les photos sur Instagram, Alex Click Insta, donc ça c'est pour demain, le RP, grosso merdo, vous en aurez donc après ce soir, jeudi soir, vendredi en après-midi, lundi prochain ça sera la soirée RP spéciale mes 35 ans, parce que j'aurai 35 ans lundi prochain, mardi, vous aurez du RP le soir, mercredi, du RP le soir, jeudi, du RP le soir, vendredi, du RP en journée uniquement. Donc la semaine de Noël, vous aurez du 20 au 23, du RP ou du 20 au 24, du RP non-stop. Voilà, au moins tous les soirs, ce qui fait qu'il y aura 6 à 7 soirs, vous avez devant vous 6, 7, 8 soirs faciles de RP, plus peut-être des après-midi pour fêter tout ça. Donc déjà, ça, vous l'avez, vous êtes au courant entre aujourd'hui, cette semaine et la semaine prochaine, ou quand il y a beaucoup de casteurs qui vont arrêter avant, bah non, on va aller jusqu'au 23 ou jusqu'au 24, et après je prendrai une semaine de vacances en famille du 24 au 2 janvier. Ludo TV, merci à toi pour le 19e mois, merci à Bracassé, 8e mois, par nous, merci à Smokes aussi pour le 8e mois, merci à Farren pour le 7e mois, merci à Hanagan pour le 7e mois, merci à toi, merci à Lefnik, Valapé, et 4e mois, et Flaviak, 2e mois. Bon, c'est le combien ton anniversaire? Le 20. Ça sera le 20 mon anniversaire. Ah, message d'Hugo. Oui, voilà, merci Hugo. Donc l'objectif top 1 sera streamé sur ma chaîne, pas que sur la chaîne de Show. Donc demain, vous pourrez retrouver à 20h l'émission Objectif top 1. Top 1 avec toute la petite clique, ça sera génial, en direct de Lyon, ça va être cool. L'événement à Lyon est en public. Non, c'est en studio fermé, c'est pas en public. Voilà, mais comme les studios sont à Lyon, on va à Lyon, quoi. Tiens, un Blues Brother. Bah, attends, un œil niqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le bus. On a des nouvelles du bus. On a discuté avec plusieurs marques. Et le projet est en train de prendre forme. La série anime Miguel court-métrage. On a discuté avec plusieurs marques. C'est en train de prendre forme. WAV. Ça n'a pas... Waze, ça n'a pas avancé. Je vais l'enregistrer à la bouche. Voilà. Je voulais voir avec eux, mais j'ai pas de nouvelles. Alors ça fait chier. Voilà, si vous êtes un représentant de chez Waze. Voilà. Pour la BD, elle sortira le 10 février. Je la présenterai en avant-première au festival d'Angoulême. Et je peux vous annoncer qu'on a déjà commencé à travailler sur le tome 2.
la boutique. Une collection spéciale hiver arrive. Elle sera composée de deux pulls, d'un bonnet et d'une gourde. Pour vous. Voilà, let's go. Voilà, c'est tout. Je... Comment vous dire? Voilà. Voilà, un stream spécial Marcel Campion est prévu. On fera peut-être lundi pour mes 35 ans, on verra. S'il y a un réel intérêt, on verra. À voir, je ne sais pas encore, on verra. On va se laisser porter, voilà. On se retrouve à Angoulême fin janvier. Et bah tant mieux, voilà. Tous glow up en moins d'un an, c'est une scène. Ouais, vraiment. Je suis vraiment, vraiment content de ce qu'on fait. Vraiment content de ce que ça donne. Donc voilà, merci à vous, merci de me porter, merci d'aimer. Merci de nous soutenir, merci à tous les gens qui sub, qui offrent des subs, qui sont juste présents. Merci à ceux aussi qui suivent sur Instagram, parce que Instagram, vous l'avez sur le Alexlick Insta, je vous le remets là. Voilà, mais c'est là où il y a le plus d'infos, c'est là aussi où les marques sont contentes. Voilà, il n'y a pas à chier, mais plus le nombre est gros sur Insta, plus les marques sont en mode « Yeah, c'est génial !» Voilà, c'est normal. Pour Waze, il y a un tuto si tu veux en MP. Non, mais je l'ai le tuto, mais je voulais juste voir avec Waze pour qu'il le mette en officiel. C'est ça que je voulais en fait, c'est quoi, ils le mettent en offi. Voilà, c'est tout. Et nous on est très fiers de tout, Alex. Moi ça m'a très touché en fait, tous vos messages. J'avais plein de gens qui disaient vas-y mec, on s'en bat les couilles quoi. Charcor, merci à toi pour les 5 subs, offert à la communauté, ça fait plaisir, merci à toi. J'avais plein de gens qui me disaient bah mec, on s'en fout, prends le temps pour ton œil, on s'est patienté, on t'offrira encore plus de subs à ton retour, ça t'a loupé des jours. J'étais là en mode waouh. Tu vois, je sais pas, j'ai reçu tellement de messages sur Insta. C'est tellement de messages d'amour, etc. J'étais en mode « Ah, ok !» Voilà. Net, on dirait un producteur de musique, c'est surprenant. Oui, c'est surtout ce qui me permet de regarder les écrans sans avoir très mal, voilà. Regarde, on est 4500 t'avoir attendu. Il offre des subs niveau 2, il a pas le temps. Il a pas le temps, il a pas le temps. Merci à Vodka Popov pour le 7ème mois, pardon, merci à toi. Vivement RPZ2. Non mais là, j'ai la pression. Imagine RPZ2, je fais un autre perso, il plaît pas. Ouais, tu me diras, je vous ai présenté Peterson ou Lampion, il vous plaisait quand même, donc... En fait, c'est peut-être moi que vous aimez dans le fond. C'est bizarre ça quand même. C'est plus une ressemblance à PV Nova. C'est vrai que j'ai vu en plus. C'est vrai que ça fait très PV Nova. Je l'embrasse. Voilà. Bah, si c'est pas Miguel, tu le sais. Ah, bah, le genre, je pense qu'ils s'en foutent. Hein. RPZ2 avec Lampion. Nope, Marcel le best. On s'en bat les couilles, prends celui que tu veux. Faut faire un Marcel 2. Marcel, ça pourrait être très drôle. Non, j'en verrai. Déjà, est-ce qu'il y aura un RPZ2? Est-ce que je serai invité? Est-ce que je ferai un personnage? Pourquoi? Comment? C'est une autre histoire. Voilà. Rien de... Voilà. RPZ2 t'annoncé. Non, c'est des gens qui hallucinaient tout seul. Il n'y a pas de RPZ2 annoncé. Exilia, merci à toi. 4ème mois parmi nous. Ça fait plaisir. Merci à toi, Exilia. Merci aussi à... Je sais plus où on est plus. Mentoler. Il faut savoir que je vais faire un truc, c'est que quand je vais basculer en RP, je vais éteindre les lumières du studio. Ce qui me permettra d'être mieux, en fait. J'ai mis les lumières juste pour vous parler au départ. Et en fait, il va y avoir une petite latence où je vais basculer en Miguel et je vais couper les lumières du studio. Il n'y aura pas d'intro Miguel, exceptionnellement. Je vais vous faire juste un résumé de ce qui s'est passé cet après-midi. Je me suis co pour essayer d'habituer mon œil. Parce que je voulais pas en fait arriver et faire un truc où j'arrive en RP et si j'y arrive pas, je vous dis je coupe le live, c'est trop dur. Donc je suis arrivé cet après-midi, j'ai pas livé justement, sauf qu'il s'est passé des trucs. Donc il faut que je vous explique ce qui s'est passé cet après-midi. Voilà. Donc, cet après-midi, je me suis connecté. Nous avions en attente un point avec les Lost. Et j'ai eu Matt Wilson. Matt Wilson a dit qu'il voudrait destituer Hank Taylor. Parce que leur chef, c'est devenu n'importe quoi. Qu'eux veulent la paix. Et qu'ils sont prêts à nous offrir une Sanctus. Je lui ai dit, c'est ok, mais on te la payera. Parce que le but, c'est pas de vous soumettre. C'est qu'à un moment donné, il y a un minimum de respect. Et fait avec la voix de Miguel. Donc au niveau des Lost, les Lost ont dit on arrête tout, voilà. Maintenant, eux veulent destituer leur chef et apparemment ou le tuer ou le destituer ou j'en sais rien, ils se démerdent. Ça c'est au niveau des Lost qui sont dans la sauce niveau The Run, puisqu'on fera un point du The Run de savoir où on en est. Je vous mettrai le lien du site d'ailleurs, on va vous le mettre, The Run. Vous pouvez tous voir où en est The Run en fait. Je vous donne le lien, je l'ai mis sur Twitter mais je peux vous le remettre, therun.21jumpclick.fr. Vous pouvez voir en temps réel, c'est HRP bien entendu, mais où on en est. Dans cette compétition criminelle The Run. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, Miguel a passé un appel. Donc Miguel a fait des supérettes avec Hannibal, ils ont une nouvelle technique. Vous allez voir, c'est la technique de je suis caché. Je vous donne cette technique parce qu'on va la refaire ce soir et je pense qu'elle marchera plus. Mais on monte dans une supérette à deux, il y a un chauffeur. Je me cache derrière, je braque. Et au moment où la police arrive, c'est Hannibal qui sort
Ils montent dans le véhicule et ils se barrent. Et moi, je continue de prendre des sacs et la police suit tout le monde et moi, je reste avec les sacs. Voilà. C'est pété. Ah, vous avez pété le site. Nickel. Voilà. De ce fait-là, il faut que je vous redemande de tous cliquer sur NordVPN, alors. Cliquez-moi sur le lien de NordVPN, nom de Dieu. Si c'est cassé, cassez-moi NordVPN. Vous voulez pas me casser NordVPN, les gars? Un petit, vous cassez NordVPN, non? Attendez. Oh bah, j'arrive plus à voir le lien. Quelqu'un va vous foutre le lien? Ça ne marche plus. Ça ne marche plus, j'ai tout pété. Ce lien-là, vous me le pétez, celui-là? Ah voilà, celui-là de lien, vous me le pétez, s'il vous plaît. Voilà, pétez-moi celui-là! Le lien, nickel. Bon, et puis l'autre, il va revenir petit à petit, The Run, pas de panique. Voilà. Et donc, après, Miguel a passé un appel. Il a passé un appel à Ben Riggs. Et il lui a dit, Ben Riggs, il lui a dit comme ça, il lui a dit, Ben, un maximum les sacs pour ce soir, c'est ta place à la mano que tu joues. On va en RP ? Ah si ! Miguel a eu au téléphone une personne qui serait le nouveau chef des États, un certain Augustus Sharks. Et Miguel lui a dit venez à la villa à 21h. J'éteins les lumières. Bonsoir. Remiguel. Je n'ai qu'un œil. Et je vous vois. Hein? Je suis un fou. Ah, oui. Petit, je n'ai que trois jambes. Adulte, je n'ai deux jambes. Et après, je n'ai quatre. Qui suis-je? J'ai aucune idée de c'est quoi la réponse, j'ai fait juste comme les perforas dans les Fort Boyard. Mais non, mais c'est, je sais pas, pourtant ça me dit quelque chose. Oui, c'est, je l'ai fait à l'inverse, normalement c'est l'homme, mais c'est l'inverse, les pâtés, quand les petits la quatre pâtés, quand t'es les adultes et les deux pâtés, après les trois pâtés. Les trois pâtés des vieux. Vous, vous chuchotiez alors, oui. J'étais perdu. Désolé. Non, mais c'est pour ça, c'est parce que c'est faire perforas. C'est bon, ça c'est les perforas. C'était une belle imitation quand même. C'est les meilleures imitations. Tu sais que je suis imitateur spécial et officiel des perforas. Ah bon. Putain, avec mes lunettes de soleil, j'y vois que dalle, mais par contre, qu'est-ce que c'est agréable. Pablo, si je dois tirer sur quelqu'un, je pense que j'ai mes toits à côté. Je sais d'ailleurs même pas où t'es. T'es où? Elle est là, ouais. T'as pris du muscle. En face, un peu sur votre gauche. T'as pris du muscle. Pablo, ouais, t'es allé à la salle. Exactement. T'as poussé des fentes. Ouais. C'est bien ça, de s'entretenir. Une bonne chose. Ah là il là faut. Là là. Il faut. Bon, comment ça va depuis qu'on a fait des supérettes et qu'on a perdu la police? Et... Bon, mais quand même. Ça va bien. Il y a contre-soirée ici et là-bas. Ah, il n'y a pas contre-soirée, j'en profitais pour parler un petit peu avec, avec chacun. Ok. C'est qui ça? C'est qui ça? De quoi? Chacun. Je connais pas. C'est qui? Je sais pas. Je connais pas non plus. On a dit, Aria, tu parles pas à tout le monde, hein? J'ai rien compris. Et t'as dit. On avait dit que tu parlais pas. Il faut l'idée, c'est que tout ce que t'as vécu ici, tu les gardes pour toi. Bah, ça, oui. J'ai alors... parlé à personne, pourquoi? Bah, si. Je parle avec chacun d'entre eux, de la famille. Oh putain, c'est qui tout ça? Aria. Oui. C'est qui c'est chacun? C'est qui quoi? Chacun? S-H A qui yen? Chacun? Il fait partie de quel groupe? Chacun?
S-H. A-K-I-N. Chacun. C'est une personne? De quel groupe est? Aria, parlez-moi! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous parle. Chacun qui? C'est qui, c'est chacun? Chacun, C-H-A-C-U-N, monsieur Miguel. Très bien, il écrit comme il veut. Il est de quel groupe, hein? Chacun d'entre nous, comment on dit en espagnol, peut-être? Je sais pas. Aidez-moi, au secours. Je sais pas. Chacun au Nil? Les basketteurs? Aria, je comprends pas. Je te donne une mission simple. Tu prépares les départs pour aller dans une entreprise. Tu me dis oui, j'ai fait ça demain, c'était il y a 7 jours. Maintenant, je reviens. Tu me dis oui, mais j'ai tout expliqué à chacun. Mais c'est qui ce chacun? Je t'ai pas dit de prendre un adjoint qui s'appelle chacun, que tu mets dans confidence. Non. Je suis désolée, je suis restée à l'appartement. Je me sentais pas bien. Donc là, je me suis réveillée. Oui. C'est qui ce chacun? Il n'y a pas de chacun. La chanteuse, Shakira. De la famille de la Mano. Quoi? Non, il n'y a pas Shakira non plus. Quelqu'un s'est planqué au sein de la Mano? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de merde? Ah, ça va, j'ai compris. Depuis le début, j'étais embêté. J'ai compris que c'est pas une personne, bien entendu. Tu fais quand même une vie de recherche sur chaque année. Non, vous risquez rien, je parlerai de rien. Oui, bien sûr. Aucun souci là-dessus. Si tu crois Shakira, il tu la tues. Bah, c'est moi, après. Tu veux trouver quelque chose? Oui, impeccable, et Pablo va manger chacun. Et bonjour, c'est Miguel. Coucou. Ça fait longtemps que j'avais pas dit juste coucou. Salut Miguel. Si j'ai fait coucou, c'est que vous m'avez manqué. Vous vous rappelez qu'il y a les nouveaux chefs des États qui viennent... Ah, la lumière dans mes yeux, ça pique, l'œil qui est cassé. Oui. Qui vient à 21h, les Augustus Shurke. Et rappelle, les Lost vont tuer leur chef. Ah. Ou tuer, ou changer, ou enterrer, c'est des bruits. Qu'est-ce que j'ai vu me plaire à rouler en moto? Ah non, c'est pour toi la moto, c'est vrai, chérie. Bah, tu peux la prendre. Non, mais tant pis. Camouflé! Oula, ça va? On va pas me voir, j'ai camouflé. Quand ma femme est en colère, j'ai fait ça, j'ai me camouflé. Bon, très les papotes. On voit vraiment que dalle ici. Est-ce que quelqu'un peut installer une putain des poteaux avec une lumière? Oui. Non, pour enlever les lunettes de soleil aussi. Je vais appeler la maréchaussée. Et moi non, je peux pas. Si j'enlève les lunettes de soleil, j'ai super mal. Hey, Pablo, je t'ai dit demain, je vais à Lyon, en France. Ouais, tu m'as dit. C'est génial. J'ai fait beaucoup d'heures de train. Je vais pas prendre l'avion. C'est un train sous-marin. Un train sous-marin? Oui. On passe des pop. Sur le hip-hop. D'accord. Celui de la Sensini. Bon. C'est pas tout ça, mais... Bref. Aria, est-ce que tu veux aller voir tout le monde? Bah juste, du coup, là, il y a Pablo qui vient d'arriver. Et, oui. Et vous. Ah, parce que sinon, si tu restes seul avec Pablo, je dis pas que tu finisses pas dans son estomac. Mais non. Ah si. Tu vas me manger, Pablo? Pas un essieu. 30 secondes. Je te fais confiance. Vous voulez d'abord que je vous rende la veste? Et oui, parce que si tu veux être comment ça s'appelle, anonyme pour rendre la veste. Oui. Pousse les clés. Est-ce que tu as tout pris? Oui, j'ai rendu les. Non, mais c'est les, parce que si je t'enlève, ok, les clés, tout ça, c'est bon. Oui. C'est bon. Okay. Ta mission secrète. Aria, par contre, je compte sur toi. Oui. Toi, une mission secrète. 1095. Mission secrète, j'ai l'impression que tout l'univers connaît ta mission, mais un peu bizarre. Comment ça, tout l'univers connaît ma mission? Une intuition. Y a personne qui peut connaître. Ta mission sera semée d'embûches. Surtout si tu décides d'aller bosser chez les bûcherons. C'est pas l'idée que j'avais en premier. Vous l'avez pas? Sera semée d'embûches, surtout si bosse chez les. Hannibal, d'habitude tu rigoles à mes blagues. Non, mais ouais, t'es un blagues. C'est nul comme blague. La bûche, les bûcherons, non? Merci Hannibal, merci. Merci Hannibal. Excusez-moi, vous m'avez manqué beaucoup. J'ai passé 2 jours tout seul. Tout seul. J'étais enfermé dans mon monde. Un œil fermé qui pleurait.
l'autre qui regardait, qui attendait. Très bien, tout le monde s'en bat les couilles, génial. Et les deux se sont réconciliés. Les deux yeux. Non, il y en a toujours un qui paraît un peu couille, mais tout va bien. Tout va bien. Donc il reste un seul. Oui, j'ai terminé les initiations sportives. Maintenant, j'ai cours, j'étudie déjà. Ah. Voilà, j'ai terminé de faire l'initiation du sport. C'est, le problème, c'est qu'essayer de faire les initiations du sport avec les gens, essayer de toucher. Vous me dites toujours, Miguel, essaye de t'ouvrir plus aux gens. Je m'ouvre, je vais au sport, mais nique la gueule. Ah. Les personnes qui me jetaient les balles des softball dans les visages, son enterrement aura lieu demain. Impeccable. La famille et les amis sont. Voilà. Parce que vous avez choisi tous les deux que c'était du softball. Parce que j'ai plus l'impression que t'as cru que c'était du football. Moi, lui, il fait le softball. Ouais. Moi, j'ai fait le 9000 ball. Ouais. J'ai mis une ball. Chacun sa ball. En plus, tu sais ce qu'il m'a dit ? Oui, Miguel, t'aurais dû faire attention, c'est une erreur de défense, on met l'autre même pour se protéger, faut être un idiot pour pas la mettre. Vous lui avez dit, par contre. Après, derrière, j'ai fait clac clac, il a dit « Oh, on irait un pistolet quand même, qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Et il faudrait être un idiot pour mettre des balles à blanc. Exactement. Bref, cette histoire est finie, j'ai un peu des gouttes à mettre dans les yeux, mais ça devrait revenir assez vite. Aria, tu me ferais un rapport hebdomadaire ? Oui, si vous voulez, il n'y a pas de soucis. Ce qui t'arrange, l'idée c'est qu'à partir du moment où tu vas te réinsérer, tu ne m'aimes pas. Tu dis voilà, moi je suis sorti, c'est pas moi qui avais décidé, tralala. Cependant, tu dis aux gens, mais je veux pas dire ce que j'ai vu là-bas. Je veux pas mourir. Plus tu dis la vérité, plus les gens vont te croire vite. D'accord. Plus tu essayes de mentir, plus on va te croire. Il n'y a pas de souci. Et une fois que tu seras inséré au sein d'une société, dominera l'entrepreneuriat. D'accord. Par contre, je vous préviens, je suis pas. Comme je disais à Kim tout à l'heure, je dors beaucoup en ce moment, donc vous inquiétez pas, mais je vous ferai. Tu prends du temps, tu dors. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a à dormir, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais dors pas trop non plus tout le temps, quoi. Parce que sinon. Je t'avoue que je dors pas mal en ce moment. Enfin, dans 6 mois, si tu dors encore, on va avoir un problème, quoi. Et on enverra les princes, c'est Cendrillon. Moi, si je vais m'inquiéter, si on appelle ça Arion. Comme Cendrillon, mais côté femme. Les Arion. J'arrête les blagues ce soir. Allons faire récupérer. Allez. Non, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent dans 10 minutes. Il y a du monde qui arrive. Il y a Hannibal qui a reçu un appel de René intéressant. Ah. Ouais. Et... Attends. Si Aria s'en va, l'idée c'est qu'elle sache pas les informations. Parce que... Oui. Je demande juste avant, j'en ai juste parlé vite fait avec Mike, je vous embête pas après. Au niveau du tatouage, du coup, il vaut mieux que je l'enlève, c'est ça? C'est vrai que si tu veux te réintégrer, c'est mieux. Ouais. Sachant qu'on le fait à tout le monde. Après, si tu veux le garder, tu peux dire qu'il y a une mémoire du bon vieux temps, tu l'as fait garder, mais. Je pense que ça passera pas forcément. Je suis pas sûr. Mais après, tu risques de douiller si c'est les enlevages au laser, mais. Ah bah oui, bah ça c'est pas grave. Douiller, c'est pas un problème. Ok. Je vais pas vous déranger plus et. Pablo, pire, je t'appellerai du coup. Bon, pas si tu veux parler. Prenez le temps. Hein. Prenez 5 minutes. Viens 2 secondes, s'il te plaît. Hannibal, il. En soi, l'information est pas ultra sensible. Non, mais bon, dans les autres, c'est quand même. Voilà. Et Mike et moi, on a deux avis qui sont complémentaires au final. Impeccable. René m'a appelé pour me signaler des gars qui braquaient des supérettes avec des pantalons verts et qui roulaient en sulton classique. Demander aux civils qui étaient en train de bosser pendant les braquages d'enlever leur fut. Pourquoi? On a mis très longtemps à procéder. Le mec arrive, il est avec son arme, il voit les civils, il dit bah enlève ton pantalon. Pourquoi? Sinon je te tue. Voilà, bah, t'as tout compris. Le gang t'es pas de futal. Il y en a un qui a refusé d'enlever son fut et il s'est mangé une menace comme quoi si on le retrouvait il allait être planté.
Derrière moi, René m'a rappelé pour dire qu'il avait appelé Diouf pour lui demander ce qui se passait. Soit c'était ces gars qui s'emmerdaient, soit il y avait des mecs qui se faisaient passer pour les verts, qui faisaient ça à sa place. Il m'a dit qu'au téléphone, Diouf avait l'air de rigoler. Peut-être que je m'écarte. Dis rigoler, c'est-à-dire. Oui, c'est moi. Ouais, c'est quoi ça, je m'appelle ? Qui, pardon ? Est-ce que vous avez 2 minutes ou pas ? Bien sûr, 2 minutes, oui. Ça va être rapide, mais ma femme va être jalouse, en vrai. Non, non. Non, 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 non. Non, Kim ! Ah oui. Ah, Insta. Oui, allez-y. Miguel, j'écoute. Bonjour, monsieur Miguel, c'est Augustus. Ah, monsieur Charles. Nous arrivons d'ici 3-4 minutes, ça vous va ? Oui, pas de soucis. D'accord. Allez, à de suite. Charles, ça arrive, mettez-vous en tenue armée jusqu'au dents. Non, je veux juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait et surtout d'avoir vraiment armé. Tous les souhaits de l'ennemi aussi. Ça comptait beaucoup pour moi. Je sais que ce que vous avez dû faire, c'est difficile. Il n'y a pas grand monde qui aurait réussi à faire ça par amour. Donc je voulais juste encore vous remercier pour ça et de m'avoir accueilli, de m'avoir offert un toit, une famille, de l'amour. Et j'espère que j'arriverai à vous rendre fier. Tu me rendras forcément fier. Les choix que j'ai faits sont jamais faciles et des fois pas compris. Pas tout de suite. Maintenant, les choix que j'ai faits sont pour les biens de tout le monde, nous avons de la famille, mais aussi pour chaque personne. Et pour moi, rester avec nous va faire de toi à un moment donné quelqu'un que tu n'es pas. Et pour moi, tu auras plus de facilités et au-delà plus de compétences et de plaisirs à être sur la mission que je t'ai donnée. Plus que là où tu es actuellement. J'espère que je vais réussir en tout cas. Et je sais que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais tu vas y arriver. Je vous informerai de toute façon. Ça va. Oui, on va réussir. Allez. Aréa, tu seras toujours une de mes filles. Vous serez toujours un peu comme mon papa. Allez. Si jamais il le faut, je ferai ce qu'il faut pour t'aider. De façon directe, mais je le ferai. Je sais. Et je vous remercie encore pour tout. Allez, file avant que j'ai pleuré. Allez, je vous libère. Je crois qu'il y a du monde devant le portail. J'écoute. Nous sommes juste devant et il y a une patrouille de police juste au bas de votre villa. Il y a une patrouille de police juste en bas de ma villa ? Ouais, Giro, ils sont en train d'arrêter quelqu'un. Ah oui, s'ils arrêtent quelqu'un, tout va bien. Oui, non, c'est pas grave. Ça va alors. Pas de soucis. On peut rentrer du coup ? Vous pouvez rentrer. Merci bien, monsieur Miguel. Ça rentre. J'ai pas eu le temps de m'échanger. Bon, ils vont m'attendre. Je vous avoue que jouer avec des lunettes de soleil, c'est très compliqué. Surtout que ça fait travailler sur les yeux. Et que je peux pas jouer sans. Sinon, c'est hard. Donc j'ai enlevé la lumière au maximum. Je joue comme ça. Maintenant, ce n'est pas du tout la même sensation d'habitude. Le temps que la rétine... un cache-œil. Je crois qu'ils m'en ont prévu un pour demain, pour l'émission de demain soir, ce qui risque d'être funky. Je crois que j'ai un cache-œil de prévu. Ça fatigue pas trop les yeux. Si, ça va sûrement fatiguer les yeux maintenant. S'il y a besoin de faire des pauses, on fera des pauses. Seigneur Augustus Charxé. Bonjour, monsieur Miguel. Comment allez-vous ? Je cherche les jours connus. Mardi ? Ouais. Mardi. Effectivement, mardi. Comme mardi, tout va bien. Pour nous, tout va bien. Comme mardi, tout va bien, alors. Je suis content de voir qu'il y a encore des étasses. Le bruit courait que les étasses n'existaient plus. Les étasses sont toujours là. Dans quel état, ça, c'est autre chose. Mais les étasses sont toujours là. Voilà. Après, à la demande de M. Benson, les états sont toujours là. D'après ce que j'ai cru comprendre, et ce que vous m'avez dit, le seigneur Vigo a tenté de fuir. M. Morrison s'est évadé de Fed et a été retrouvé mort par les autorités. Et M. Benson nous a confirmé qu'on ne quitte pas le cartel... sans demander de permission avant.
Et surtout pas de cette façon-là. J'ai cru comprendre d'après mes gars d'ailleurs qu'il avait annoncé que celui qui finirait dernier des runs, non seulement perdrait son business, mais perdrait peut-être plus que ça. C'est exactement ça. Et potentiellement un groupe entier qui perd la vie. C'est à peu près ça. Alors, ça vous concerne pas parce que vous êtes en tête. Nous avons sursis déjà, mais nous nous battrons jusqu'au bout pour lui montrer que on participera à The Run, on fera The Run, le business continue de tourner et on verra bien si on arrive à se remonter ou à pas se remonter. On connaît nos faiblesses, hein. De toute manière, on sait très bien qu'à tout moment, l'un des autres six peuvent nous tomber dessus, que le cartel peut nous tomber dessus, que les marshals peuvent nous tomber dessus, que tout le monde peut nous tomber dessus, mais ça nous arrête pas, on est là, voilà. Voyez, il y a des choses chez moi qui sont assez simples. À partir du moment où les gens ne parlaient pas dans la mano et ne cherchaient pas des problèmes avec la mano, alors tout va bien. C'est assez simple et assez efficace. Il y a pas longtemps, le seigneur Hank Taylor a décidé de m'appeler en me traitant de petite pute juste parce qu'il avait envie d'une guerre. Ces hommes ont donc souffert et ont fini par m'appeler pour dire « Il faut qu'on arrête. » Mais j'ai pas de soucis. À partir du moment où les choses se passent bien, alors, tout va bien. Mais il faut se rappeler que dans cette ville, parler de la mano ou emmerder la mano n'est pas une bonne idée. Et pour autant, compris. Nous n'avons pas décidé de venir vous taper là où ça fait mal. Nous pourrions vous être notre concurrent direct. Il serait facile de vous balayer maintenant, mais il me semble important d'avoir la capacité de... Comment ça s'appelle ? Les fair play. Et je vous en remercie. Il n'y a pas de jeu si le jeu est gagné d'avance. Par contre, je pense que vous avez toute la capacité en 9 jours de rattraper. Pourquoi pas de dépasser les Lost ? À vous les charbonner, à vous les recruter, à vous d'être malin, peut-être les fusionner. On pense à toutes ces solutions, c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, on a commencé à penser à toutes ces solutions, j'ai effectivement commencé à recruter, alors pas forcément des membres pour les états pour le moment, parce qu'il faut quand même un petit peu voir les gens avant quand même, moi je fais pas confiance aussi facilement comme vous aimez, mais on s'y met, on travaille, on va avancer, le but c'est quand même de montrer à monsieur Benson qu'on est là et qu'on travaille, voilà, il est au courant de ce qui se passe. Seigneur Benson a indiqué que quatrième va morfler, cinquième va morfler, sixième perd son business et peut-être la vie. C'est ça. Je serai vous. 8 jours, 23 heures, 1 minute et 43 secondes. À votre place. Quitte à tuer mes hommes plus tard, je recrute. Et y a la famille. Encore et encore. Parce que dans 8 jours, 23 heures, 1 minute et 28 secondes. Si vous êtes dernier. Je perds la vie. Et je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais personnellement, perdre la vie ne m'intéressait pas. Moi non plus. Maintenant. Comment ça? Peut-être que vous pourrez trouver des groupes qui seront prêts à vous vendre des sacs. Mais pour cela, il vous faut une trésorerie. Il est bien là le souci. Ça nous a coûté cher. On en a, on a de quoi avancer, mais il faut que je tienne pour payer le cartel également. Donc, ça nous a coûté très cher. Mais effectivement, on peut acheter les sacs, ça c'est pas un souci. Donc voilà, il faut qu'on arrive à proposer des meilleurs prix. Je vous le cache pas qu'il y en a qui les achètent carrément même plus cher que ce que Monsieur Benson nous propose, quoi. Vous savez, on a proposé de vendre des sacs à certains groupes mopés pour dire. Monsieur Miguel, vous avez de l'avance, nous souhaiterions acheter vos sacs et les doubles d'un prix classique. Ouais. Donc soit... Combien ? Mais combien je ne peux pas mettre ce prix-là. Non, j'imagine bien. Pour l'instant, je n'ai pas décidé de vendre des sacs. Et... Comment voulez-vous que je sois respecté par mes hommes si dans une compétition, lorsque mes hommes s'arrachent le cul ? Ah, je vends des chiffres, sacs à des concurrents. C'est ça, au vu des chiffres, j'avoue qu'ils bossent d'arrache-pied. Hein. Ah... Ils aiment ça. Et je bosse avec eux, nous nous amusons bien. Je pense que, justement, ce type de compétition est intéressante. C'est là où on voit qui est vraiment là, qui ne l'est pas. Je suis bien d'accord avec vous.
En tout cas, sachez que, contrairement au seigneur Viggo Morrison, qui avait décidé que de toute façon il arrangeait ce que je disais à sa sauce avec ses hommes, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des choses cordiales tant que des respects et qu'il n'y a pas de foutage de gueule. Tant qu'il y a de la discussion et que le respect est réciproque, il n'y aura pas de problème avec nous. Très bien, Mal. Je suis quelqu'un qui aime le dialogue et bien plus que les armes. Les armes, je ne les prends que si nécessaire. Mais le dialogue est important, le respect est important. À partir du moment où si vous et moi allons avoir ce dialogue, ce sera parfait. Une personne me ment, je termine le dialogue et je ne suis pas aussi courtois que vous. À partir du moment où quelqu'un m'a menti, on s'est fout de ma gueule. C'est avec les armes que nous réglons les choses à la main, non ? Et nous réglons souvent bien. Ce n'est pas un souci. En tout cas, je suis content de vous avoir rencontré, Seigneur Sharks. N'hésitez pas à contacter mes hommes si vous avez besoin ou même si vous souhaitez faire une commande d'armes. Pas de soucis, monsieur Miguel. Ce sera avec plaisir, ça a été plaisir de vous rencontrer en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons nous battre pour The Run, sachez-le, avec tous les moyens que l'on a et que le business continue. C'est devant les Loss et ça sera déjà bien. D'accord, c'est bien. J'ai bien reçu le message. J'ai compris l'objectif. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous, monsieur Miguel. Bonne soirée. Au revoir, messieurs, dames. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Oh, il m'a fait mal au crâne. Hein. Tu penses que de proposer des ventes d'armes à un marchand d'armes, c'est... C'est plutôt... Ouais. C'est du monde ouais, de respect. C'est, ouais. C'est pas mal. Non, c'est une question que je pose. Bah, non, peut-être que... Ouais. Ils auront besoin d'un vendeur peut-être d'armes. Peut-être qu'ils ont besoin d'un vendeur d'armes, et tu sais... Bon, ouais, les enfants. Deux choses à vous dire. On va continuer Super Aide ce soir. Mm-hmm. Je vais vous donner le nom de la nouvelle recrue de la Manon. Mmh. Qu'on le ou la appelle ou... On va en parler. Ouais. Después, okay. C'est, et nous allons parler des teams, qui est un sujet préoccupant, réellement. Et après, on ira faire la supérette. C'est bon pour tout le monde ? Yes. Oui. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Juste que attends, je relance les vagues, j'arrive. Relance les vagues. Musique ascenseur, du coup. Pond camel a pin canela, pond camel a camela que, una caramela topera que la pecompera. Pinta camela. Ça sort dans la tête. Tu sais que j'ai entendu des exploits des conducteurs de la Manon. Ah oui. Par la police. Ah bon. La police a dit que leur but est de rivaliser avec deux des pilotes de la Manon. Ah oui. Je vous donne les noms. Je suis pas dedans. Je suis une bénédiction. Un certain Mike. Ça m'étonne pas. Et alors, apparemment, il y en a un où la police aimerait bien lui baffer les visages. On se demande qui c'est. Jim. Un certain Jim. Ça, je trouve que. Je comprends pas. Depuis que tu bois du Yob. C'est plus puissant. C'est nickel. C'est nickel. Bref. C'est lié au menthe. Rapidement. On va pas y passer les heures. On a déjà eu la possibilité de discuter dessus. Tim était un problème. Et Tim nous a dit qu'il allait se redresser, qu'il allait être là, qu'il allait ceci, qu'il allait ça. Toujours pas des nouvelles. C'est compliqué. C'est machin, c'est bidule. Et j'envisage grandement des. Faut dire les termes. D'avoir une sérieuse discussion avec lui pour le Moyen-Europe. Mm. Donc je vous tiendrai au courant, je vais essayer d'aller choper. À un moment donné, il faut se retrouver relative à soi-même. Et je pense que là, il va falloir les redresser. Mm. Très bien. Maintenant. Alors, les nouveaux. Maman de la Manon. Ah oui, c'est vrai. Oui. Hannibal disait rien à foutre, Miguel. On continue notre technique. Hannibal est en mode Ginette. Hannibal, avec Hannibal, c'est les Ginettes à 3. C'est la nouvelle façon de faire les Ginettes à 3. Oui, il nous a expliqué, franchement. Ça marche bien. J'avais un peu caca cet après-midi quand même parce qu'il y avait des voitures qui s'est recalées devant, mais ça passe. Écoutez, c'est vrai qu'on a une variante à 2. Ah ouais, ça marche bien. En plus, on s'est chopé avec Hannibal. Ils nous ont fouillé. Ah, mais il n'y a pas de sac. Bah oui, on braquait pas.
Et en gros, ils mettent pas le braquage, ils mettent que des refus d'obtempérer. Le véhicule est pas saisi. Les amendes sont moins fortes. Nickel. Bon. J'ai demandé cet après-midi à une personne de faire un maximum de sacs pour nous. Cette personne, je l'envisage au sein de la mano et avant, je vais vous en parler. J'ai discuté avec Mike, qui pour moi est ce qui se rapproche le plus des responsables des ressources humaines de la mano. Entre nous, c'est celui qui a le plus de clients. Ça va pas être moi. Non, alors toi, tu as un petit souci avec les banques. Jim, il tient bien pour le moment. Oui, mais d'accord. D'accord, on est après, d'accord. Combien de temps il reste, sur combien, sur combien des bonhommes super ah, sur, moment, sur 3 quoi. Sur 3, voilà, une sur 3. C'est pas... Alors que Mike, lui, à chaque fois, il est bon. Bref. Et... Mais s'il baise à chaque fois les gens avec qui. Non, 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 c'est normal que ça se passe bien. Mais, moi aussi, je veux pas baiser avec ceux que. Tu vois, c'est ça là. Ça veut dire que Mike baise bien et qu'il nous fait honneur. Ouais, peut-être. Il met la mano dans les cambouis. Il y va à la mano. Bref, les... j'ai discuté avec Mike et avec Pablo. Et c'est Mike qui va avoir de toute façon, à partir d'aujourd'hui, la responsabilité des nouveaux venus. Qui va les former, les intégrer et qui va les mettre dans le bain. La personne que je vais vous soumettre, pour moi, la personne qui a su attendre longtemps, montrer sa fidélité envers la mano, et être capable d'être présent à tout moment. Je vous demande pas d'être tergiversé pendant des heures, simplement de me donner votre avis par oui ou par non. J'ai demandé un début d'après-midi à Ben Rigsey de faire un maximum de sacs pour nous afin d'envisager son placement au sein de la mano. Allô. Oh, c'est bon, on a pas resté après, ça me va. Animal. Bye. Kim. Oui. Putain, c'est qui en face de moi? Mike? Oui. Ouais, c'est lui, putain. J'avais un doute. Et Jade. Oui. Et Simon? Oui. Ah putain, je savais pas. Jim? 30 secondes. Oui. Très bien. En réalité, même si c'est pas tout le monde est là, c'est pas un souci. Nous validerons donc le passage de Ben Rigsey au sein de la mano. Mike, tu en auras la responsabilité. 15. De les former, de les intégrer à nos pratiques, la façon de faire. L'écoute, les ordres et tous les bordels. Ok. Bah. Ouais. Barrage. Est-ce qu'on lui fait un ultime test ou pas? Oui, je vais lui tirer dessus, comme pour toi. Nickel. Déjà, j'aimerais savoir combien il a de sacs. Ah, occupé. En vrai, je pense qu'on connaît déjà un peu tous, il est déjà intégré quelque part. Oui, je suis d'accord, oui. Mais je suis Mike et c'est une discussion qu'on a eue avec Mike où il me dit. Il faut quand même qu'il arrive à mettre les codes de Amano pour pas qu'il bien soit. Sûr. Il ne veut pas faire un second ennemi. Oui, Sty. Il faut le canaliser. Exactement. Donc, Magic Mike, tu seras les tuteurs. Ah, ouais, d'accord. Comme ça, alors, s'il fait de la merde. Quand j'ai dit les tuteurs, ça veut pas dire que tu te poses à côté de lui en bandant, que tu te cales comme non, ça. Mais... Moi, je suis un tuteur. C'est là aussi, Mike. Et tu ne peux pas ken tous les membres. J'ai bien compris. Déjà que Mike, il a une relation extra-conjugale avec ma femme. Non, non. Coucou. Non, Disney des forces. Nickel. Et après, ma femme me dit, oui, avec Jade, des fois, on fait des trucs dans les montagnes. Quoi? Dans les dates. Ah ouais, oui, bah les dates où c'est pas Mike qui t'a dit qu'elle est entre les cailloux. Malheureusement, on s'en va en l'air des fois avec Jade aussi avec les cailloux. C'est vraiment devenu une espèce des zoo. Un zoo. Et tu penses qu'il, hein. Pense qu'il met des lunettes et il essaye de faire l'accent ou pas? Non, non. je veux voir ça. Une soirée imitation. Remets le sac, Ben. On fait une soirée imitation. Attendez, je vous dis ça. Oh non. J'ai pas envie de voir ça. C'est la borgne. On fait une soirée imitation. Je vais pas voir ça. Si c'est pas possible, je veux pas de cette soirée. 265. C'est parce que je pense qu'on veut tous te voir avec des lunettes. Fais tout seul. Déjà pendant la cabane, on voulait faire passer le mic pour Miguel devant le SAS. En manche scout. Si tout, vous voulez plus. Tu prends tous les sacs et tu les montes à la villa. J'arrive. À tout. Alors, devinez combien il a fait des sacs. Tout seul. 650. 650. Combien? 650?
Ouais. Non mais Hannibal, il a eu entre 14h et maintenant. Ah merde, je crois que c'était depuis hier. Et encore, 16h, pardon, 16h et maintenant. 16h et maintenant. Allez, j'aurais dit 175. Il a jamais, je crois qu'il est pas trop 175, ok. 125, 112. D'accord. 250. 200, je pense, ouais. 250. Chérie. 175. 300. 300. Hannibal. 200, ouais, 200. Très bien, les plus proches, c'est Mike. C'est combien? Il a dit 250. Il a fait 265 sacs. Ouf. Depuis ah, c'est propre. 16h, en disant c'était laborieux, j'étais en manche et tout seul. En vrai, c'est propre, hein. Franchement, pour être solo. C'est très très propre. Ouais. Il est en train de les monter, il les amène. Mike, on t'écoute. Pour l'intronisation, comment... qu'est-ce que tu comptes? Pour l'éduquer. Oh putain, il est déjà en train de penser que c'est un clip. Ah, c'est debout. Allez, ben. Non, mais. Tu te rends compte que ça va être. C'est quand tu te... Mike, quand je te donne la mission d'introniser quelqu'un parmi nous, de lui expliquer les règles, que toi tu es en mode je vais l'éduquer ces petits bâtards. On en est là. Tu étais là en mode assis couché debout. Tu as compris que ça va devenir un membre de la famille. Oui. Tu veux que je fasse l'exposé habituel? Ouais, moi mes poulains ça marche comme ça. Il va lui donner un cahier de vacances, à mon avis, avec des trucs orthographe, grammaire, conjugaison, à revoir. Ça va être chelou les rendez-vous de Mike, je pense. Oui, en fait, moi j'ai pensé que c'était sexuel, mais pas du tout. Il vient, en fait, c'est Mike les dominateurs. Allez, c'est assis couché de vous. Alors, viens, petit chien. C'est du BDSM, en fait. C'est du BDSM. Je zip et. Ça va, grave, ok, d'accord. On va pas tout savoir. Alors, tu quoi? Tu zip des quoi? Il zip et c'est parti, il a dit. On mettrait du zip. Et du fion. Tu sais que tu dois pas prendre l'exemple sur ces putains de Marshall? Non. Non, mais juste, et depuis que tu vois les Marshall, et t'as une tendance à être dans les sadomasochismes. Ah non, pas du tout, non. Le bondage. On va t'offrir un baillon God pour Noël. Oh non! Mike, je vais t'offrir une cravache. Une cravache. Non, t'es bien avec Mike Lederman. Ça ira. Qu'est-ce qu'on prévoit pour lui? Un paddle, avec des pics. Avec des pics, ouais. Alors, il serait bien que vous. Excusez-moi. Les bisuités, oui. Il serait bien que vous mettez pas des balles dedans. Sinon, il ne peut plus bosser pendant 12 heures. Pourquoi mettre des balles dedans? Parce que c'est pour Pablo, cette information. Je mets la même cartouche que j'ai mise à Simon. Oula, il a été recruté. Oula. Oula. Simon est un frère d'oreille. Ouais, il a un joli piercing maintenant. Nickel. Alors, moi, on m'a proposé. Par contre, là, j'ai pas pu petit claquer. Non, tu peux pas faire. C'est-à-dire que ça serait bien qu'il soit formé pour travailler dès ce soir avec nous. Et pas dans 4 ans. Ok, bon. Ça me semble pas mal, non? Ah non, pas de bisoutage du coup. Sinon, on lui propose de tenir plus longtemps que Martin qui est par terre là en apnée. Dans le PDL. Moi, j'aurais peut-être proposé un truc. Vas-y, dis-moi. Bah, il serait de corvée de sac si on fait une banque. C'est pas bête. Bah, défaire une banque et c'est lui qui ramasse les sacs. Ouais. Une corvée, ça? Bah. Ah bon, si c'est chiant. Le mec il fait un coup C'est chiant. C'est chiant à faire. Moi je l'ai fait une fois, j'ai regretté. Et puis il sera là. Et voilà, enfin une soirée normale quoi. Une soirée où je lui tire pas dessus. C'est noté. Sinon, on lui fait faire une supérette. Il appelle le Gibbs. De merde, genre un bus. Et voilà. Et on le sauve après? Oh non, j'ai une idée. Et là, pour le coup, elle est juste très mauvaise. Et on lui met une récidive alors qu'on a besoin de les économiser. C'est ça. Nickel, Mike. N'hésite pas. Dis aussi qu'il commence par « Excusez-moi, je viens d'entrer à la mano et c'est mon bizutage, c'est Miguel et Mike qui ont dit. » Non? Et d'ailleurs, chez eux, il y a des AK-47. N'y allez pas, pitié, je vais avoir un problème. Justement, on y vient parce que t'en as parlé. La phase sauvetage. Ça se termine où on couche 20 flics dans la soirée. Oui, et non. On finit en Non. À ce rythme-là, est-ce que tu veux que je rappelle les Lost avec qui on vient de se calmer et que je dise « Allons Wilson, bande des petites putes, ça va ?» Tu vois? Non, c'est pas mal, non? Non, nous sommes pas si bêtes que. Non. De toute façon, ils sont déjà dans la sauce, alors non, on va pas faire ça. Moi, j'ai une meilleure idée, mais elle est risquée. Oui. En gros, on lui demande de récupérer l'équivalent de 100 sacs, sauf qu'il doit les voler à des mecs qui sont en train de faire les supérettes. Alors ça, c'est ce que j'avais prévu moi ce soir, parce que je trouve que les balas bossent trop bien. Et je me suis dit qu'il va y avoir un ou deux groupes des supérettes et un groupe des « je fauche aux autres ». Mais pas tout le monde, faut sélectionner, parce que j'ai pas envie de me prendre mal avec les verts.
Et puis pour ça, il nous faut des 9 millis, on va peut-être pas les braquer aussi, à la cas, oui. quoi. Non, mais pour les. Alors, pour si, les si, balas, c'est toi, des... si c'est des. Si c'est les balas, c'est qu'on est sûr que c'est eux, t'arrives à la cas. Bon. Et si ça part en courant, tabac, oui. J'avais une idée. Oui. Alors, on est d'accord qu'en ce moment, les keufs, ils chopent beaucoup de sacs. Ça sent la fédé, ce qui se plante. Mais, et les saisies, c'est qui les amène? Les Martial. Oui, mais potentiellement, on prend un keuf en otage et la rançon demande 3000 sacs. Eh, bro, bon, fédé, The Run, c'est baisé. Let's go. Miguel, je suis devant, je peux rentrer. De nous mène au même endroit. C'est lui. J'adore mes tongs, hein, mais je vais peut-être pas les retrouver tout de suite. Ouais, non, sans façon. Ah, il a un alien. Il est surtout une nadeur. Oui, le hamster. Ok, d'accord, c'est même pas pour lui. C'est trop bien, il a des super voitures. Ouais. De ouf. Non, il aime aussi fort les voitures. Je le veux dans mon équipe. Dans mon appart. Je le veux dans mon appart. Bah, de toute façon, il va prendre là où le partant est parti. Nice. C'est... Très bien. Fais des phrases, on est comprend un jour, Pablo. Bonsoir. Yoben. Wesh. Yoben. C'est la fin, Ben. Ouais. T'as trahi la mano? Ouais. C'est pas possible. Souviens-toi ce que t'as fait récemment. Ouais. Plein de trucs. Plein de sup. Les ordres de Monsieur Miguel. Ouais. Mais il y a eu un problème quand on a fait une, non? J'ai fait une CP à pied. Et là, l'autre, j'ai fait une CP en moto. Les CP à pied, tu l'as gagné? Oui. Mais non. J'ai presque envie de leur envoyer, vous êtes vraiment des débiles. Tu peux nous expliquer cette histoire des CP à pied avant qu'on reprenne? Bien sûr. Alors j'étais à la supérette en 70-93. Les flics sont... Alors la supérette était scellée, sauf qu'il y en a un qui était passé juste avant moi. Donc moi je suis arrivé derrière, les keufs sont arrivés. J'ai pris la moto, j'ai fait le tour du magasin. J'ai bloqué la moto, je suis descendu. J'ai couru tout autour du magasin, j'ai monté la colline, je suis redescendu et j'ai perdu les flics qui ont essayé de me taser avec la voiture. C'est vraiment des abrutis. J'ai couru un peu partout, j'ai fait le chat à la souris, que j'ai gagné. Et la CP, l'autre CP, j'ai tasé un flic qui me pointait au taser. Lucky Luke, premier qui tase a gagné. Tasé, je me suis barré. Et j'ai récupéré tous les sacs. 265, c'est pas mal. 265, plus ce que j'ai vendu en cam, là, j'ai 15 550 à vous donner aussi. T'as pas perdu un seul sac? Pas un seul sac, je me suis pas fait attraper une seule fois. Mais tu as conscience que joindre la mano, c'est... J'ai une famille idéale où on partage tout. Oui, monsieur Miguel. Oui, c'est une manière de sortir de la mano, c'est les pieds devant. J'en suis conscient. Ou en rentrant dans la mano, il faudra que tu adoptes des codes, que tu écoutes et que tu fasses ta place. Que ça prendra du temps. C'est normal. Il faudra que ton côté fou disparaissent par moment pour écouter les autres. Et que ta vie sera dédiée à la Manon. Peu importe les décisions que je prendrai. C'est un sourcil. Je pense que de ce côté-là, vous pouvez avoir confiance en moi, monsieur Miguel. Tous autant que vous êtes. Je pense que je vous ai prouvé à chacun d'entre vous que même en n'étant pas à la mano, je pouvais avoir confiance en moi et compter sur moi à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. D'apprendre des risques pour vous, je l'ai fait en connaissance de cause, en risquant ma place au Belize, en risquant la prison. Je l'ai fait et je le referai si c'était à refaire. Alors je sais que j'ai un petit côté foufou qu'il faudra que je mette de côté. J'en suis conscient et je le ferai pour le bien de tout le monde, pour le bien de la famille. Je vais rester à ma place et fermer ma gueule quand il faudra fermer ma gueule.
Mike. Ouais. Bah écoute Ben. Et où Mike? Je suis à ta droite. Ouais. Je vais te dire un truc. Yana, avant d'entrer dans la mano, ils étaient un peu comme toi. Ouais. Ils avaient l'air loyal. Ils avaient l'air carré. Et ils faisaient le taf. Mais une fois dans la famille, bah c'était plus vraiment les mêmes. J'espère juste que tu feras pas la même chose que. Mais on t'aidera à bien t'intégrer. C'est que je peux compter sur vous quoi qu'il arrive de toute façon. Mais du coup j'ai envie de te dire bienvenue dans la famille. Merci Mike. Merci à tous. Merci Monsieur Miguel. Bienvenue Ben. Appelle Seigneur Chine. Bienvenue. Pour le prévenir. Il n'est pas là. Si vous voulez, il y a Meiko. Je l'appelle. Enfin, je vais la voir même, mais je lui. Basta. Je redonne la voiture à Chine que j'ai dans mon garage, parce que du coup, j'en ai pas l'utilité. Voilà. Et après, tu vas vendre ton appartement? Bien sûr. Intégrer la villa? Bien sûr. Et à partir de ce soir, les gars vont te former, te donner tes nouvelles tenues. D'accord. Et dès maintenant, tu fais partie de la famille. Je te donnerai les clés juste après. D'accord. Pour la maison, va falloir qu'on y aille peut-être avec plusieurs véhicules. J'ai beaucoup d'Orange 4 à récupérer. Quel appartement est disponible, garçon? Les nôtres. J'ai plus de 300 Orange 4 à prendre. On dirait l'appart de Mike. T'inquiète, ça va durer 2h, 300 Orange 4. Videz les sacs. Donnez-les pour Zuren. Let's go. J'en Mike Hannibal, moi, vous aurez les. Vous vous occupez de les former. Et lui expliquer. Pablo, tu lui ajoutes les accès contact explication. Et on va faire les déménagements. Juste à un endroit où je pourrais. Quel? Parce que je peux mettre le principal le 4 au pied de. Je sais que t'es sur le cul, mais bon. Ouais, mais là. Principal, ouais, c'est à dire. Attends, explique-moi. L'intranet. L'intranet, je peux ça. Ouais, l'intranet, moi je peux pas. Ça, je peux pas. Tout le monde est sous dès qu'il aura appelé. Je crois que t'es en panique là. Je ferai un brief compta et. J'expliquerai à l'occasion. Merci. T'en as avec 25 sur toi? Ah non. Ils font sa session totale. Non, mais ça, c'est des billets, puis tout le reste est dans le Lyon. Ok, bah il nous a donné 15 000 balles en cash aussi. Oui, vous lui expliquerez aussi comment on fonctionne dans la famille, surtout l'explication des runs aussi. Est-ce que. Occuperai de la compta, Ben. Appelle Maïko. Okay. Pour lui expliquer que tu quittes les bénisses des manières. D'accord. Qu'elle comprenne. Ok. Je donne pas plus de détails, on est d'accord? De toute façon, ça va vite se savoir, dis-le la vérité. D'accord, c'est bien. Ça vient de me changer. Rebasculez tous un. Putain, elle est occupée. Un normal. On va repartir après sur les supérettes, les déménagements et tous les bordels. Ranger les AK aussi. Ah, monsieur Miguel? Oui. Pour l'appartement, est-ce que ça peut attendre demain pour papy? Ouais. C'est papy qui était avec moi en coloc, du coup. Ouais. Et il est parti se coucher, donc si je le vends, ça va être compliqué. Préviens-le et tu feras les déménagements demain. Pas de soucis. Les gars, là, on peut aller récupérer. Il fera les déménagements de son appartement demain, entre temps, et vous lui expliquerez ça demain. Demain, je suis pas là, mais tu feras ça demain. D'accord. Ah, ça sonne, peut-être qu'il est encore là. Oh, il est plus là. Ça t'attendra demain. Putain, Miko là. C'est pas grave, Ben, calme. Si on fait des déménagements demain, vous lui ferez aussi ses tenues demain. Comme ça, on bossera ce soir. Commencez à lui expliquer comment il fonctionne. Je lui donne les accès Mano juste après.
On peut sortir le garage. Les gars, vous nous expliquez pas même qu'on fait les braquages, qu'on ralentisse pas. Braquage aussi, on est d'accord? Oui, oui. Ouais. Une banque ne vaut pas l'intérêt. Faut bien braquer ceux qui braquent. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je veux deux équipes, une équipe braquage standard et une équipe qui braque ceux qui braquent. Ce soir, dès que vous avez la possibilité, on va essayer d'éviter les verres. Je vais appeler Dufay. Pour ça, il nous faut des 9 mini et Ben LPPA. J'ai mis à jour mon téléphone. Pendant 4 heures. 3 minutes. Allô, monsieur Miguel. Seigneur Diouf, comment ça va? Eh ben, ça va très bien, vous. Écoutez, ça va plutôt bien, malgré que les marshals ont fait chier tout le monde hier soir. Ah ouais, c'était, ça a été compliqué, hein. C'est vraiment des espèces des fils des. Ils en ramènent 4. Ah ben, je peux vous dire qu'ils avaient de la haine hier, ouais. Ah oui, mais plus gros. J'ai souhaité. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai voulu dire? Et vous avez prévu de faire beaucoup des supérettes ce soir? Plutôt, ouais. Oui. Et vos gars sont habillés des couleurs particulières? En général, ou on se met en vert ou il y en a qui sont en noir. D'accord. C'est juste pour savoir, j'ai prévu de braquer les braqueurs. Ok, très bien. Je trouve que les balasses vont trop vite. Je vais peut-être les ralentir un peu. Donc, sauf que je ne souhaite pas me mettre mal avec mon blanchisseur. Je trouve que ce serait dommage de créer une guerre qui n'en a pas l'intérêt. C'est pour ça que je demande s'il y a un code vestimentaire pour éviter que je tape au niveau de vos hommes. Bah alors nous, c'est très simple, on braque en sultan blanche. On a une cyclone grise qui tourne. Et en général, c'est du véhicule gris, mais vous les connaissez, ce serait la 8F Shafter. Ouais, en fait, il m'a appelé. Il y a quoi d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Sultan, 8F et parce que c'est le color. Ils sont verts. Ils ont peur par rapport à une possibilité. Gris, ouais. Gris ou blanc. Vert ou gris ou blanc, oui. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent avoir, je sais, une astuce, un ustensile peut-être qu'on peut reconnaître? Un mot de passé. Ah, si. Si jamais ils se font braquer, ils paniquent pas, ils annoncent OG. OG, ça marche. Ils annoncent OG, je vais ranger son barre. Lion dans notre garage. Ok, ça marche. Voilà. Et ils les prennent pas mal en mode panique. Et voilà, prévenez-les. Okay, je vais les prévenir. Ouais. Voilà, si jamais on se trompe et qu'on les braque, ils annoncent OG et voilà. Et qu'ils s'étaisent, qu'ils n'allaient pas les dire à tout le monde, sinon c'est la merde. Évidemment. Pas les soucis. Bah allez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, il paraît que vous braquez les civils, vous leur faites enlever les pantalons? Ouais, on est des sapes, ces bâtards. Ils sont trop en détente, on les a tous mis cul nu aujourd'hui là. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Il m'a dit que ça vous a fait rigoler. Pas de soucis. Bon, donc vous mettez pas mes hommes en pantalon, ça va. Ah pas non, justement. Ils bossent vachement bien d'ailleurs, on les voit souvent. Pas de soucis. Bref, voilà, je vous laisse prévenir vos hommes. Ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée de même. Pour tous, ce soir, quand vous allez braquer les braqueurs, si les braqueurs vous donnent l'information OG, c'est que ce sont les verts. Vous les braquez pas, vous partez. Reçu. Ça marche. Bref, et on part sur le braquage? On part sur les autres? Ils expliquent à Ben José et Marc. Mais il faut que je lui donne les accès. Il veut bien voir José et Marc, mais. Oh, toutes les infos. Vous savez que et si vous voulez lui expliquer José, il faut que je lui donne les accès. Ouais, mais on lui fait le. On lui explique le business. Est-ce que tu as eu Michael ou pas? Non, alors j'ai un problème. Alors que j'aille faire un certain. Voir un docteur pour la radio. Là, parce que ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de rappeler Michael si. Comment ça sonne. Pour le braquage, Miguel, on visque les balles à ça. Oui. Moi, j'avais une solution un peu plus discrète au début. Pour les ralentir sans forcément les braquer. Dis-moi. En fait, ils braquent en moto, ils sont seuls. Meko, t'arrives avec un. Tu peux me virer de l'entreprise, s'il te plaît? Prends ton temps, Ben, explique-lui, explique-lui. Je vais rejoindre la mano. Donc, j'aimerais que tu me licencies. Oui. Et comme ça.
C'est le destin. Elle lui demande pourquoi. Mais pourquoi ça va pas? Tu es fou. Ce sont des dangereux criminels. Les vers sont beaucoup mieux. Donc est-ce que tu peux me licencier de ton bureau ou il faut que je vienne? Faut que je vienne. Retour à deux. Non, non, ben, je vais venir au Bénis. Pas besoin, moi je peux me charger. Bah je viens. Tu n'as même pas besoin, Ben. Tu peux me charger, moi. D'accord. Oh oui, je suis certain, ouais. Et... décision mûrement réfléchie. Dis-lui que t'aimais bien la piscine. Voilà. Argument imparable. Bah ouais, c'est les pigeons. C'est la piscine. On a les meilleurs pigeons de toute l'île. Ceux qui font gros. C'est pour la vue. C'est pour la vue. Je compte pas lourd. Les pigeons Hulk. C'est pour ma ville. Ma ville, mes règles. Non. Non. Elle a pas l'air contente. Voilà. Bah écoute. Oui, oui, t'inquiète pas. Ah si, oui. Si, il faut s'inquiéter quand même. On est des criminels. Non. Non. On n'est pas des criminels, monsieur Miguel. T'inquiète pas, je fais attention. Si, on est des criminels. Ah si, nous, on est des criminels. Ah, si, si. 100%, même les pires. Ah, 100%, hein, c'est même c'est nous les pires. Les pires racailles de l'eau. Les pires, c'est nous. Les meilleurs aussi. Oui. Dans le pire, c'est nous les meilleurs. On est d'accord. Par contre, qui c'est qui va réparer les voitures au Béni si Béni n'y est plus? T'inquiète. Personne. J'ai une idée avec la famille. Il doit avoir une meuf là-bas, Mike, t'inquiète. Mike, il doit avoir au moins deux meufs là-bas. Je te tiens au courant quand même. Un homme et une femme. Ah, tout. Il y va, il fait. Mike. Magique, Mike. Le mec est dans un. Bon, bah, il faut que je passe pour qu'elle me donne ma lettre. Enfin, que je signe, quoi. Et puis, voilà. Ah, tout bon. Fais les retours. Ouais. Mais j'ai... Victor à la compta, tu regarderas. Ouais. Et tu reviendras vers moi pour que je t'explique. Ouais. 30 secondes. Tu signeras ton papier, mais. Moi, monsieur Miguel. Je pense que tu n'auras pas besoin des papiers. Ouais. Regarde si tu as accès à José. Non. Si, c'est bon. The Run, achat ouais. D'armes, vente de caisses, oh, oui. Prochain paiement, ouais. Regarde le classement. Ah ouais, d'accord, ouais. Tu vois la mano, on est oui. Numéro 1, bah faut qu'on reste comme ça. D'accord. Ouais. Donc faut faire des sacs. Ok. Tu conduis bien, Ben? En moto, ouais. Et en voiture? Très bien. En voiture... Ça dépend, ça dépasse. Ça fait chier, on n'a pas recruté le bon. En moto. Il est là l'après-midi, donc c'est bon. Ah ouais, c'est déjà un plus. Je suis là matin, matin, midi, soir. La nuit, les des nuits, ouais. Des nuits. La nuit, voilà. Voilà, c'est un... ouais, Alan Biss, ouais. Tu vas bien t'entendre avec Alan. Machine numéro 2. Ouais, ouais, y a moyen, ouais. Bah, mais vu, je dirais plutôt que oui, t'as intérêt à t'entendre. Regardez, les... regardez tes... Mes mails. Ouais. Ouais. Ok. C'est bon, monsieur Miguel. Impeccable, comme ça tu auras tous les accès. Zou. Impeccable, allez. Et. Donc, j'ai fait un point. J'ai fait un point. On continue super été. Il faut qu'on garde l'avance. Et pas d'intérêt pour les. Jade, j'ai fait un point vite fait, viens. Je paye le Waze, comme ça il se casse et j'arrive. Et qui? Les vagues. Le les petites vaguelettes. Bon, il va falloir que je fasse quand même un doc après parce que j'ai plus de radio moi. Bah, du coup, bah, je disais, j'avais une idée pour les balas, pour peut-être pas commencer à braquer tout de suite. Oui, on va en parler. Pour au moins les ralentir. On peut juste prendre un véhicule et shooter leur moto. Juste t'arrives, tu passes, tu shootes la moto, le mec il est tout seul, il est en moto. On va les forcer à se regrouper par deux, par trois, par véhicule.
Donc ils seront plus 7 ou 8 répartis sur toute l'île. On peut diviser leur force de frappe déjà comme ça, et si vraiment ils sont encore au taquet... Et... Après ils avancent que quand on avance aussi, c'est chelou. Ouais. Je sais pas. Moi je pense qu'ils stackent un max pendant qu'ils... Je me demande s'ils ont pas peur de dépasser, tu vois. Je sais pas, mais... Moi je pense qu'ils en avancent. 252 millions, 4 millions, il y a quoi? Il y a à peu près, ouais, c'est 90 000 de différence. Ok. 130 000. Ouais. Non, non, 90. Il y a un moyen qu'ils stockent, ils ont encore rattrapé. Et au dernier moment, ils nous la mettent, quoi. Bon, c'est quasiment certain que de tous les groupes. Recommandé. Ben, je t'explique. À Los Santos, nous travaillons tous pour le cartel. Le cartel, que tu connais, distribue des business. Il nous a distribué un business des armées. Le cartel a décidé que. Il faisait une course aux supérettes, où les supérettes sacs de banque et G6 comptent. D'accord. Ce titre, il y a un compteur que tu peux voir au niveau des représentants des cartels qui est derrière. Oui. Les trois premiers seront glorifiés, les trois derniers seront flagellés. Les quatre et les cinq vont douiller, et les six perdent son business, et peut-être la vie. Pour l'instant, les États sont très loin derrière, ce qui n'empêche pas qu'on souhaite rester premier. Et donc il faut qu'on bosse. Maintenant, c'est quasiment certain chez les Balas, chez les Verts, chez les autres, qu'ils stockent tous. Ils stockent tous pour d'un coup faire une avancée. Pour avoir vu cet après-midi, les Verts sont énormément. Hein, c'est mignon. Nous aussi. Sur toutes les supérettes, ils m'ont sifflé à chaque fois. Voilà. La plupart font des supérettes tout seuls pour en faire un maximum. Ouais. Donc... Ce soir, si vous voyez et si vous devez braquer, s'ils disent les mots de passe OG, c'est que c'est les Verts, vous les laissez. C'est notre blanchisseur, je ne veux pas me mettre mal avec eux. Par contre, ça marche. Si vous chopez des sacs sur des ballasses... On en fait si c'est des lusts, plus de points. Il y a un supplément. D'ailleurs, il t'en rappelle ou pas, Miguel? Non, m'a pas rappelé, il m'a dit que dès qu'il a accès à telle heure, il récupère la moto pour nous la vendre et qu'ils veulent les choper, ils veulent voir pour destituer telle heure. Ok. Ils en peuvent plus de leur chef. Bon, c'est une autre histoire. Et. Ok. Bon, et donc je veux des groupes classiques. Ben, tu fais un retour au beignet s'il faut. Tu dis que t'as plus besoin des licences humaines, mais si tu souhaites faire un tour, tu peux. Ouais. Tu es accompagné l'un d'entre nous. 2, 4, 6, 8, 10. Impeccable, 5 groupes de 2. Oui. Sauf si Hannibal, tu veux faire les fameux groupes à 3. Bah, en vrai, c'est worse. Hein. Ouais, c'est ultra worse. De toute façon, il faut que quelqu'un reste là pour les waves, non? Bah, le problème, c'est que ça fait 2 groupes de 3 et un groupe de 2. Le groupe de 2 peut se mettre en double moto. Voilà. Non, le groupe de 2, il va prendre la K. Les groupes de 2, c'est celui qui fait l'équipe des sécu avec la K, c'est ça part en couille et qui continue d'alimenter les waves. Ça marche. Et moi j'en ai marre, pour une fois j'ai vais sur les supérettes, ça suffit. Non, à chaque fois c'est moi. C'est un truc, c'est du bon sens, hein, mais si vous braquez un gars sur une supérette, faites attention au chouf. Et donnez pas votre radio, parce que si c'est des types qui nous filent des sacs, on aura plus de sacs. Ouais. Ah, y'a ça aussi. L'idée c'est des uniquement ciblés de balas. Donc tout ce qui est violé. T'es pas violé, vous shootez pas. Parce que les balas, je dis ça parce que je les ai déjà vus avec des choux. Donc si les braqueurs sont braqués, c'est un peu con. Ouais, d'accord. Les braqueurs braqués. De toute façon, vous essayez de faire des supérettes. Si vous avez l'occasion et que vous voyez pour braquer, vous braquez. Ok ? Ça marche. Et en cas des couilles, vous appelez les binômes. Qui sera les binômes ? Je fais un doc, j'arrive. Problème de radio. Moi j'ai la K, donc. Donc déjà un. Tu fais les binômes de sécu, Pablo ? Ouais. Avec Ben ? Allez. Vu qu'il est là, non? Comme ça tu nous montres un peu comment la batterie de Wave. Allez ceci. Les pilotes seront Mike. Oui. Jim. Et Jim. Ça fait 2 équipes. Ouais. Et on fait des équipes de 3. En vrai on peut tester pour une soirée. Les équipes de 3, je pense que ça va être... Et ben on est de trop, non? Alors ben on fait une équipe de 2. À l'ancienne. Ouais voilà au pire. Deux équipes de 3, une équipe de 2 et deux équipes de 3, une équipe de 2 et une équipe de soutien. Mais non on peut faire un récupérateur. Non, le récupérateur, c'est le soutien. Ouais, on peut faire 2 équipes de 3. Hein. Il y a une personne qui reste ici pour relancer les waves de toute façon. Non, mais on est 10. 2 équipes de 3. Bah, 3 équipes de 3, on arrête de se faire chier.
Bah oui. L'équipe récupération sont 3 et les deux qui prennent la supérette sont 3 et 3. Voilà. Ce qui permet de faire et Pablo, Ben et un troisième, Mike en conducteur voiture 1, Jim conducteur voiture 2. Nickel. Je sais, j'arrive. Allez, on fait comme ça. Très bien. Donc, on fait comme ça. Mike et Hannibal, moi, Jim, Simon, Kim. D'accord ? Pablo avec Jade et Ben en soutien. 15. C'est ok ? Let's go. Let's go. Parce qu'à un moment donné, on va y passer la soirée. On a l'équipe qui ça va partir en couille. Alors, je redis. Voiture 1, conducteur. Mike avec lui, Hannibal, Miguel. Voiture 2, Jim, conducteur. Avec lui, Kim et j'ai dit qui ? Et Simon. Voiture 3, Ben Rix et Jade et Pablo en soutien. Pampin, Wavy. C'est bon pour tout le monde ? Ah, nickel. Okay. On s'est apposé les gros, Joujou et GPB. Vu que je fais partie de la soutien, je garde le mini Joujou. Oui, tu fais partie de la soutien. Ça marche. Je vais rentrer loin et je serai derrière lui. Bonjour, c'est voiture Loulou, nous. Bonjour, c'est voiture. Mike, il est où ton masque? Monsieur, regarde. Ah. C'est voiture Loulou. La voiture Wilkinson. Nickel. Allez, c'est Jackie, hein. Attention. Allez, voiture 1, on est parti. Médicaments, antidouleur, antibiotiques. Y'a plus d'essence. Pommade, c'est bon. Ouais, je vais faire plein. Vous avez des burgers, vous avez des boissons. Oui, j'ai tout. C'est bon, on peut partir en vacances. J'ai failli emmener un GPB, je me suis dit si je me fais attraper, ça va encore mal finir. Allez, on part en vacances, les enfants. On fait celle-là aussi, hein, non ? Pour commencer ? Bien sûr. Bien allez, sûr. C'est parti pendant qu'il fait l'essence. On fait les coups des. Il y en a un qui se cache ou pas ? C'est moi. Bonjour. C'est pour un braquage. C'est celle où après j'ai mes planques ou pas? Ouais. Ah d'accord. C'est toujours moi. Okay. Je t'ai dit que celle-là va nous porter la merde. Si tu veux, on inverse. Ça braque, voiture 1. Ah non, pas là. Hannibal, c'est bon? Je suis bien caché? Ça passe ou pas? Bah oui, ça passe. Nickel. J'ai détesté mis sans comptoir, j'ai pas compris. T'es pas en train de lui faire des choses quand même. Chut, j'ai fait des choses. Flottant que j'ai pas fait des choses avec ma femme. Rien. Hein. La technique des folies. Si la police arrive, tu pars en courant, moi je continue de braquer. Ouais, on a fait ça toute l'après-midi, ça a bien marché. Hein. Attends, tu vas voir Miguel, parce que si les flics arrivent, il y a moyen qu'on les sème en restant à côté de la villa, à côté de la sup. Donc tu repasses me chercher, tu m'oublies pas? Bah oui. Tu sais, ma peur, c'est qu'il y ait toujours un flic zélé en retard sur les autres qui se pointe en mode c'était ici la supérette. Et là, on m'entend. Yes. Ah, nickel. Toujours pas des polices? Non, toujours pas, mais ça se trouve, on va la faire en one shot. Comment ça, haha? Non, j'ai. Non. Bonjour la petite guette. Tripote-moi le doigt avec les doigts. Elle est bien cette technique, mais. En fait, ça va la faire one shot, on remonte à la ville. Hein. Eh bah, c'est. On l'a fait comme ça avec Simon tout à l'heure. On en a fait deux, on en a fait une one shot et une où il y a les keufs. Double moto. Ça a bien fonctionné la double moto. En
fait, c'est la même technique. On met une seule moto devant la porte. T'en as un qui... Il y a une caisse d'armes que je leur relance à $1. Oui. T'en as un qui fait leur. Et l'autre, tu la mets sur le côté, la moto? Ouais, là, tu la gardes dans le quartier. Celui qui braque pas avec la moto dans le quartier, c'est je peux pas valider l'achat de la caisse. Faut bien qu'il sélectionne. Bon bah va pour 35, on peut y aller. C'est bon? Oui bah c'est fini. Allez, let's go. Allez, let's go. Boss? Oui bah j'ai fini, c'est... Il restait un petit sac vite fait. Bon bah voilà Mike, on peut rentrer à la villa. Bon! C'est un... Et c'est 35, bon, gratuit. C'est un bon amuse-bouche. 33. En vrai, on peut faire un peu aller dans le nord direct. Hein. Bah, la ville, je suis plus à l'aise, hein, perso. Ah ouais, bah, let's go. Surtout avec celle-là. Et surtout si on veut choper du ballast. Quoique, il braque au nord quand même. Pourquoi? Et hop, 33 sacs gratuits. Bah, parce qu'ils se font tout le temps toper. Je vois rien que mes lunettes de soleil. Non, non, parce que Jim était pas forcément emballé par le fait qu'on soit 3. Donc on parlait du plan de comme quoi cet après-midi à 3 ça fonctionnait très bien. Ah bah ça fonctionnait même nickel. Et où fait. Jim? Parti chercher une voiture, quelle place? Ah, il en vole une, lui? Non, non, il va prendre sa VSTR, il va la blinder et après il revient. A plus. Ah, la VSTR c'est une. Et Boud ou quoi, Jim? Je sais pas. Non, mais je crois qu'il est. Lui il est pour faire de la CP. Attends, j'ai deux. Ouais, allô. Tu boudes? Ultra chaud. Non, je suis allé partir chercher une voiture 4 places au parking central. Tu m'as dit tu boudais. Ah non, non, non. Et tu voulais pas faire A3? Non, c'est juste que je suis plus à l'aise avec la flash, mais tant pis, je vais prendre la VSTR. Tu vas voir, ça va être des moments intenses à 3, vous allez pouvoir faire des choses que vous ne faites pas d'habitude à 2. Je te confie ma femme, Jim. Présence, ouais. D'accord. Ok. Je me sacrifierai pour elle. Il était pas bien. Il me dit qu'il allait pouvoir faire un 3, c'est qu'il fait pas un 2 d'habitude. Il est en mode, ah, très bien. Super. Ah, bah je crois qu'il y a déjà le comité d'accueil. Et bah maintenant c'est les keufs qui me racontent, on aura tout vu. Peut-être que ça valait peut-être les coups qu'on s'arrête de demander s'ils avaient pas des sacs, non? Bonjour. On est récupéré. Non, c'est une blague, Mike. On va quand même pas commencer à braquer la police, on va se retrouver qu'un avis de recherche. Mike, tu es premier de gang quand même. Oui, oui, c'est pour ça que j'évite de donner des ordres trop compliqués. C'est jamais, hein. Sans mal entendu, ils nous donnent des sacs. Hein. Ah, attends, mais c'est les problèmes de là, c'est qu'apparemment les civils s'y rebiffent un peu. Oui. Bah, on verra bien. En fait, il faut pas que les civils balancent qu'il y a un deuxième braqueur. Un deuxième braqueur. Bonsoir. Et bonsoir. Ça va se faire braquer il y a 2 minutes. Merde. C'est bien, c'est ce qu'on allait dire avec les Black Hat. Ce qui est bien, c'est que voilà. Bon, nous, on vous fait pas enlever les pantalons parce qu'on trouve que c'est dégradant. Ah ouais, donc quand même, il y a des limites. Non, non, faut pas déconner. Bon, celle-là a déjà été braquée. Ils sont restés combien de temps? Ouais, il y a quoi? Il y a 2 minutes et ils sont restés pendant 5-10 minutes facile. Okay, oh putain, c'était plein, ça fait chier. On peut se barrer alors. Bon, bah, bon courage à vous, bonne tournée. À bientôt. Bon courage. Tu vois, quand la police dit les civils détestent les criminels, c'est faux. Les civils, mais il y aura tous des criminels. En même temps, il se pose même pas des questions avec nous. Bon, ça, je comprends pas les autres qui les foncent des sapés. C'est les verts, ça fait rigoler du fond. Voilà, ah. On dirait. Alors, ça, par alors, contre, la ferme, c'est des petites merdes. Voilà. Bon, on y va quand même. Oui. Bonjour. Bonjour. Hola. Vous ne risquez rien et on vous fera pas enlever vos francs. Okay. Mais n'appelez pas la police. Merci, merci. C'est toi ou c'est moi? Si tu veux, j'y vais. Allez, on est parti. Oui, moi aussi, j'aimerais bien. Il fait trop froid pour perdre son froc là. Tu vois, quand les civils, ils appellent pas la police, tout se passe bien. Les derniers civils qui appellent la police, j'étais obligé de lui coller une balle. C'est con.
c'est les. On fait tous notre travail. Oui, c'est question. C'est juste que j'ai des enfants à nourrir pour Noël, c'est tout. C'est qu'à un moment donné, moi, la vie m'a pas permis de travailler dans une entreprise. C'est pas si facile que ça. Maintenant, j'ai plein de familles à nourrir pour Noël. Il faut qu'on fasse le Noël des enfants aussi. Chier, Ginette, hein. Bon, ben voilà. Elle fait un peu chier. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Les papas, pingouins, la maman. Pingouins, les enfants. Pingouin. Iront toujours au... coin. Aux autres. Ah, jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille. Toi, tu couriras après. Les papas, toi, tu es la maman. Toi, tu... iront toujours au... ah. La 2, ça va? Bon, on va partir. Ok, la sécu, ça va? Mais pourquoi il se gare là? Oh, il se gare... Bon, ça le fait quand même, en vrai. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra... Vu. Bonjour, c'est un braquage! N'appelez pas la police, sinon ça va chier! Je braque ou je braque? Je braque. Ah merde, moi aussi j'ai braqué. On braque tous les deux. Mademoiselle James, comment ça va? Ça va bien. Bah ça va. C'est monsieur Miguel, attendez! Comment ça va vous, la forme? Ça va et vous? Impeccable! Comment c'est une connerie des fous? Ça braque ou ça braque pas? C'est les, mais on va la retenter. C'est les, on va la retenter. Comment ça va la famille, tout ça, monsieur Barnas? Bah ça va, impeccable. Oui, c'est pas nous comme les gens en slippé. Ah ouais, non, honnêtement, non. Vous êtes pas le style à faire ça, hein. Oui, vous non, êtes, non, vous nous... êtes pas des enfants de 5 ans. Ça braque. Non, c'est ça, ça braque. Attendez, ah oui, non, mais il y a eu personne depuis quelques temps, oui, faites-vous plaisir. Ça braque, attendez, il faut que je remette les capuches. Voilà, oui. À un moment donné, la police avait rien, voilà. Vous n'avez rien vu. Ah mon Dieu, mademoiselle James, je vous ai pris en otage et vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un caché derrière les comptoirs. La une, ça braque. Vous n'avez pas vu qu'il y a un autre lama? Vous avez vu ce qui est malin? On en a un caché derrière les comptoirs. Si la police arrive, je monte dans la voiture, on s'en va. Et l'autre, il continue de braquer. Vous avez vu comment on est malin? Vous savez qu'ils sont tellement cons que ça peut marcher. Mais ça marche depuis des jours. Ça fait des jours qu'on fait ça, ça marche nickel. Sirène. Je vous sais prévenir, moi. Bon courage, à bientôt. Tout va bien. Vous braquez où? Non, c'est bon, y'a personne. Continuez. Vraiment, personne. Ils arrivent devant. Putain, on te voit même pas. T'es ils thèmes. Arrivent, ils arrivent. Go, ils go, arrivent, go. Arrivent. Oh mon Dieu, nous sommes suivis, la une. C'est la merde. Toute la police est à nos culs. Un patrouille. Dos. Vas-y Mike, perle. Hannibal, bon courage. On était tranquille, frérot. Ça marche depuis des lustres. J'étais beau faire une bouteille de Icola. Mais mets-toi bien. J'ai gagné sur les murs verts. C'est où que vous avez braqué la dernière? Et c'est les qui est à côté des places des Cubains. Ok. J'ai l'impression qu'on les a bien perdus. Ils sont à peu près. Faut que je les flics et je te rappelle. Il y a toujours une voiture qui suit. Des loin, mais elle suit. Ah, vous êtes bien? Oui, nous on est bien, merci. Bientôt. Voilà, voilà. Et c'est fini. Normalement, là. Tu nous dis, Hannibal, on va pas te chercher quand tu veux. Environ 80%. Très bien, on arrive. Vous avez du temps encore. De toute façon, je vais sortir de la sup et puis je marcherai un peu et on m'occuperai plus long. Ah, ça c'était la police, non? Non, c'est une autre. Ça c'était la révolteur. C'était la révolteur de Pablo, je crois. Elle est partie chasser les flics. Pablo, on chasse pas la police pour l'instant, tout va bien. Taxi, bonjour. Ah oui, mais j'ai pas fini. Bah on t'attend. Que veux-tu? On est plus rapide que la police et que les taxis. Et le pire, c'est que s'ils nous arrêtent, on a zéro sac.
Bah là oui, mais si je monte dedans, bon, moi, ils reviennent. Mais non, ils vont pas revenir. Ils sont cons comme leurs pieds. T'en as pas un qui s'est dit, tiens, je vais fouiller le supérette. Non. Ah, eh. Ça fait au moins, quoi, 50 fois qu'on leur fait les coups. Pablo. Ouais. Il y a les syndicats qui vont venir dans 15 minutes à la villa livrer les 1000 sacs. Ouais, ça marche. On les réceptionnera. La une, on remonte à la villa. Taxi, vous pouvez y aller. Merci beaucoup, taxi. Bah, il est doué. 41 sacs. 41 sacs, nickel. La une, on remonte 41 sacs. On en aurait fait à peu près 8 en temps normal. J'ai dit, c'était façon de faire, c'est du génie. Parce que bah, même si jamais t'as trop d'unités sur ta gueule, tu t'arrêtes sur le côté, ils te fouillent, au pire ils te prennent quoi, ton 9mm ? Ouais. Hop, une amende des 2000 balles, bisous. Mais en temps normal, en fait, ils vérifient, ils ont les effectifs. Il y a tellement de braquages en ce moment. Ça simplifie les procédures de vérification. On parie que les jours où ils grillent ça, c'est moi qui ai donné la super. Eh, sortez! Non, je veux pas. J'ai mes petites barres de chocolat, je bouge pas. Bouge pas, je veux un avocat. J'ai un attache, j'ai Ginette. Ah non, mais attends, et tu sais qu'il y en a un qui a déjà fait ça. Il a pris pour prise d'otage. Alors que Ginette, elle a pas branché. Ah oui, d'accord, il a dit j'ai Ginette en otage et il a pris prise d'otage. Il a pris 70 000 d'amende. Ah, mais la prochaine fois, j'ai dit non, j'ai dit. Ginette m'a pris en otage. Avec mon karma, je te dis qu'avec mon karma, ça sera pour moi. Ah mais tu dis que Ginette t'a pris en otage. Oui. Ginette te doit des dommages. Elle m'a fait des agressions sexuelles, Ginette. Oh là là. J'ai voulu te plaindre. Sacrée Ginette. Ma question est les 1000 sacs qu'on a payés, les syndicats, combien est-ce qu'on les stocke ou pas? C'est la question. Non, au moins faut pas stocker. Ah, c'est une connerie parce que si tu te prends une perquisition, t'as l'air d'un débile. Et il y a une autre raison. Si jamais le grand chef, il décide du jour au lendemain d'annuler les sacs de supérette. Ou qu'il dit maman, on fait plus les sacs, on fait ça. Voilà, vous faites que le G6 et les sacs de banque. Il est capable. Et bah ceux qui ont 3000 sacs de côté. Une moto écrasée pour nous, demande supérette. Ah bah d'accord. Et vous l'avez braqué les gars? Même pas. Non, j'ai juste envoyé la moto dans le décor. Si c'était. Vous avez vérifié que c'était avant? Ah, parce que si c'est un mec non plus. Non, parce que si c'est un vert, on a l'air de débile. Et si c'est un mec qui il y avait une moto violette, alors dans le doute. Mais qu'est-ce qu'ils ont en con? Vous êtes au courant qu'ils braquent en Manchester couleur souvent les ballasses. C'était une sportive violette. Ah, ça va mort. Mais ils sont encore là. Je crois que la police fait un sitting. Aïe, 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 aïe. Nickel. Mike, nickel. Heureusement que j'ai mes derniers. Peut-être pas sur Venise, hein. Bénise et peut-être à un moment donné un pansement minimum. Est-ce que j'en ai? Moi j'en ai un. J'en ai un aussi. Oh, j'ai chopé une diarrhée. C'est antidouleur ou antibio, je sais jamais. Antibio. Antibio. Pourtant c'est pas automatique. Fais l'étoile sur le vite fait. Au cas où. Il y a encore l'affaire. Mais on l'a braqué celle-là, non? Oui mais vous voulez pas. Ah, il voulait pas. Des fois, je retente. Mais qu'est-ce? Très bien, on ne voit pas la même chose. Boss. Oui. Des fois, Ginette et jette des sacs dans la fenêtre. Ah ouais? Oui. Il me faut pas ça. Tu te barres.
et en fait elle te jette un sac par la fenêtre. Donc t'as fait Ginette avec un sac. C'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Il fallait peut-être qu'on enlève les masques avant, non? Oui. Oui. Bah la dernière fois je suis arrivé aux EMS sans le... avec le masque. Elle m'a dit bonjour monsieur Yeti. Attends, je vais te dire. Ah, j'aime beaucoup. Bonsoir. Vous allez bien, monsieur ? Oui. Il a remis Chewbacca. Est-ce que tu veux un strepsil pour la gorge ? Ah tiens. Hop. Est-ce que je la nettoie ou pas? Oui, je viens. C'est ok. Tu vois qui voit? J'attendais que vous êtes en train de... C'est scellé hein, donc je peux pas que parce qu'il bronche. Voilà pour vous. Merci. Bonne soirée. Et on est lequel? En fait, il y a un problème là-dedans. Qu'il a vu qu'on était trois. Qui ça? Millaps. Il était là, là, Millaps? Ouais. Malin. Millaps, à mon avis, il a cramé. Non. Millaps, il est pas con. Faut pas le sous-estime. Et bonsoir. Bonsoir. C'est mieux, c'est que les gens nous disent bonsoir. C'est moi qui braque. Vas-y, braque. C'est moi qui braque. Bonsoir. J'ai bien le temps, on va prendre le café. Un petit spoon. Ah, ça braque. Nickel. Nickel. Bien faire on a une, ça braque. La police, hein, donc... Ah oui, non, elle ne fait pas la police, tout va bien. Chacun et il y a personne n'est caché derrière les comptoirs. Je répète, personne n'est caché derrière nous, les comptoirs. Nous, Sandy Shore, on dirait l'apocalypse, il y a des bagnoles avec des alarmes partout. De chacun, Pablo. Ouais. Après, vous blindez pas en poids parce qu'il faut récupérer le truc des syndicats. Ça marche. Il y a une coquette orange là, qui a pilé en nous voyant. À mon avis, c'est flic. Ouais, elle est orange, leur coquette. Je confirme, je l'ai eu hier en CP, elle est orange. Elle est sur nous. Allez Mike, montre-leur qui en est. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Billups va arriver sur celle de LS. Combien de sacs, Pablo? Ah, 1000, donc ça va être complexe. Hein. Bah, il y a encore 2 Riata et 1 Karakara. L'after qui s'arrête. Ah, j'ai niqué. C'est Millaps.
On passe te chercher au poste. Ta braque à Grafcid. Quoique. Quoique on peut te récupérer maintenant si tu veux. Y'a combien de stockage un Yata? On est dehors. Bon. Vas-y. Non non monsieur. Ça marche. Non monsieur. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Bon bah ça passe, je sais pas comment non plus mais... Bon, on a récupéré Hannibal, je pense que pour les coups des trios c'est baisé, c'est cramé. Comment c'est pas... Comment... T'as fait quoi? T'as juste dit je me souhaite une bonne journée? Oui, d'abord j'ai dit oui, vous inquiétez pas, je sors. T'es en CP. Ah on est en CP nous. Nous aussi. Il s'est fait choper? Non non non, on l'a récupéré, on est repassé devant. Il y avait la police et il est tranquillement, il a dit je sors, je sors. Par contre, les coups des trois, je pense que c'est compliqué. Ouais, c'est complètement niqué, mais ça veut dire que les keufs vont s'attarder sur les sup. Ça passe pas tout le temps, je pense. Par contre, ça veut dire que les keufs vont s'attarder sur les sup maintenant, non-stop, ce qui fait qu'on a le temps d'essayer de barrer. La 3... Yeah, allez, on vient de se taper... On vient de se taper 3 barrages sur la route. 3 barrages? Ouais, des fois, ils font ça, on s'est déjà tapé ça avec... Bah, c'est avec toi, Jim, non? Ouais, c'est avec moi. Cet après-midi, ils faisaient des barrages. On fait doucement. Ça peut mal finir, ça, Mike. Ah, autour, ça va, je les ai si jamais il y a un putain de tram qui arrive, oui, s'il te plaît. S'il te plaît, Mike. 4 barrages. 4ème barrage. Mais vous avez toute la police avec vous? 5. 5ème. Mais c'est des barrages d'une voiture. On a l'impression que c'est un truc d'obstacle. Je suis à la moitié de la caisse. Encore une 6ème voiture. Non mais c'est pas possible, c'est les mêmes en fait qui se déplacent dans les barrages. Par contre je comprends pas d'où il apparaît si à me taser en fait. Il a tasé au-dessus de la portière. Enfin moi j'ai vu ouais. T'as eu chaud parce que je pense qu'il t'avait tasé quand elle était sur place. Ah oui. Mais en fait c'est bien, c'est qu'il m'a demandé de sortir, je suis resté un peu pour prendre des sacs. Et j'attendais que vous arriviez. Et Mike il a eu les bons goûts et quand j'ai dit bon, on va aller chercher, j'ai dit bon, ça c'est une bonne idée. Mais non. Bientôt fini la caisse. Mais non. Ah la moto, sérieusement vers toi, mais sérieusement c'est un grand tour, il y a quand même 6 voitures sur nous. Non mais prendez votre temps, moi je vais me décasquer et je vais attendre. Perdu, on les a perdus, t'inquiète. Sérieusement. Sérieusement, mais quel est le degré des probabilités de ça? T'as couché en pleine CP, en pleine CP il fait le plein. Le mec il fait le plein en pleine CP, c'est un abruti. Non mais il est parti, il a dit, ah c'est j'avais oublié l'essence. T'es avec la moto, sinon elle roule pas. Tu vas où Mike? Mira, t'as beaucoup de sacs? J'ai 26 sacs quand même. Ah ouais, il est posé. Ah lui il a l'air pas bien. Il y a un mec qui vient braquer la sup où je suis. Mais c'est quoi ce machin? Ça roule lui? Mike tu leur dis de m'appeler dès qu'ils sont devant le portail. Ça marche. Au pire on va leur filer un coup de main pour vider les sacs. Attention radar. Qu'est-ce que ça veut quoi ça? Il est débile ou il veut jouer avec nous? Je sais pas. Hein. Je pense que ça veut jouer ça. Ok, on arrive. C'est... On se fait courser par un civil, tout va bien. On a réussi à retourner une voiture de flic. On va s'arrêter de dire bonjour. Oh ouais, y'en a, ils ont fait torture en nous pourchassant. Non, ça suit pas. Non, non. Ça parce que si ça suit, que ça avait déjoué. On arrive, Kim. Bah écoute, moi le mec il est arrivé avec sa jette, il a commencé à braquer, je lui ai fait essayer de l'occuper. Enfin, putain, je t'avais pas vu, puis il est reparti. Appelle-le. C'est pas un ballast ? Sportive blanche et il était habillé normal quoi. Par contre ouais le coup du trio là ça... En tout cas avec cette voiture je pense que c'est mort. On est là dans 15 secondes. Le problème c'est que j'ai pas d'autres voitures donc Non mais vas-y on va le tenter comme ça et puis basta.
Ou alors on échange avec ceux qui sont en nord. On peut faire ça. Le BCSO sera pas forcément au courant. Ah oui, d'accord. Ah! C'est une bagnole là. C'est 1000 sacs. Mais... C'est quoi, c'est... ils ont fait un décalage? Qu'est-ce que c'est que ces bordels? Normalement 3. Ouais, je vais peut-être aller les aider un peu. Je vais le mettre sur le côté. Ouais, attends un peu avec le... Je vais juste le garer là, derrière. Ah, pas devant. Non, non. Est-ce que les charbonnes fort, hein? C'est bien les charbonnes, autant. T'as fait quoi ton Novak, Pablo? Miguel. Je t'écoute. Elle a demandé qu'est-ce qu'on avait fait au Novak. Je lui dis c'était toi. Comment ça c'est moi? La porte. Ah oui, j'ai un petit souci avec la porte et j'ai ouvert pendant qu'on roulait. Ok. Oh, c'est ma voiture ça, je la reconnais. De Marc. On met tous les véhicules à côté de Marc et on transfère. Ouais, on transfère, on transfère. Ok. Il y a les Zodiac qui dans une heure vont nous livrer entre 300 et 400 sacs. Nickel, reprenons un peu d'avance et après on repart en fer. Le soin à la police, le temps est passé pas sur autre chose. Plein de munitions, etc. On n'a pas beaucoup la 46, normalement tu peux le vider. D'ici il est vide, je le bouge. C'est bon, c'est fait. Et du coup là pour vendre les petits sacs, je les fais... Non non, on les vend pas, ah, oui, on les met dans Zuren. Les patrons payeront après, ils ont dit qu'il y a un point... Donner sacs super, tout ça. Un ouais, point c'est... un dollar, okay. Donc on sera payé plus tard. Ok. Putain, quand ça va être payé, ça va être bon pour tout le monde ça. Et quand ils vont payer sur 3 ou 4 millions, ça va nous faire du bien. Il est mort Ben, ça y est. Et on disait que... Non, je suis là. Tu sais quelle est la pire chose qui peut se passer? C'est qu'il paye une salle. J'avoue que ouais. Ah oui Ben, il y a une règle. Ouais. Là les véhicules c'est exceptionnel qu'ils roulent sur la pelouse. Si tu veux rouler sur la pelouse, je te tire dessus. D'accord. Il n'est que amour. Ouais. Ouais, c'est ok. J'ai pas envie de faire péter ma ADR donc je vais éviter. Et généralement je dors avec la K donc Ok. Pardon monsieur. J'ai compris. Pas de pelouse, pas de véhicule. Quand il y a pelouse, il y a match pourtant. Ouais, mais alors là, monsieur Miguel, c'est... ouais. Il y en a encore dans le Yata? Ouais, un peu. On va encore casser les bordels. C'est vide. Toi Lyon il est vide, ton Novak il est vide Pablo? Ouais ouais il est vide, je vais le ranger là.
On se met bien là. Ça va bien monter. 2-8. Ah, nice. Ah, c'est pas mal. Et objectif 3 millions ce soir. Ouais. On va tenter les 3 millions ce soir. Bon. Allez. Et... ok, là je suis tout est bon. On y retourne ? Bah allez hein. Allez, on est reparti. Allez. Est-ce qu'il faut relancer les ouais et les ouais alors, ou pas ? Pour information, et je pense que les coups du trio, il est niqué. Bon, il en commence fait, à comprendre. Bah, non, non, trois équipes de deux du coup. C'est pas ça, c'est que Billups nous a vu sortir à 3 de la truc. Et bizarrement, il est arrivé direct derrière après une supérette. Et ils sont venus, en fait ils sont arrêtés, ils sont venus à check direct derrière le comptoir. De toute façon, les civils nous voient faire, donc à un moment donné, ça va forcément... Ouais, oui. Et maintenant, ça veut dire qu'on peut quand même continuer à 3. Partir à 3. Et c'est là que c'est rigolo. Ils vont aller se stacker pour vérifier les supérettes, et donc il n'y a pas des... Tu vois ? On peut continuer par les principes 3. On pourrait faire un groupe de plus dans ce cas-là. On peut faire, on pourrait faire que des groupes de 2. Et... mais qui va être les troisième pilotes ? Attention, c'est ça. Simon. Simon, il conduit bien. Simon, oui, on s'est jamais fait choper avec Simon. Très bien, je vais me mettre avec Mike. Allez, jusqu'à 2h du tam. J'espère t'es là jusqu'à tard ce mon soir. Mon bro, Dibal, t'inquiète. C'est bon, on a les binômes. Allez, allez, si, allez Mike, allons en prison. Peut-être pas 2h, je t'avouerai que ce sera max 1h. C'est possible, vraiment. T'inquiète, t'inquiète. Attends, je vais ranger les vestiaires. Bon, nous, parce qu'on est malin, on tente la supérette juste en bas. Malin, pas con ou... C'est parce qu'on est les premiers à partir. Vous êtes les premiers à partir. Attends. Allez ! Ginette, Ginette, Ginette. C'est un braquage, Ginette. Hannibal, tu peux aller voler une voiture devant le PD, devant la maison. On doit aller chercher ma flash au BCSO. Ah donc tu vas arriver avec une voiture volée au BCSO. Sabraco devant la maison. Sabraco devant la maison. Ginette, mets des sacs. Ginette, mets des sacs. Ginette, mets des sacs. Sabraco, coco. Putain, elle est bien blindée celle-là, Mike. Ouais, j'espère qu'ils vont pas venir. Bah moi aussi, parce qu'elle est bien blindée. Ginette, si t'es champion. En plus, c'est une grosse Ginette, celle-là. Appuie, appuie. Ginette. Bon, info, vous avez une camionnette du Black Cat qui monte. Mais bon, on s'en bat les couilles, mais au moins, vous avez l'info. Appuie sur champignon. C'est une grosse Ginette, ça. Qui klaxonne ? Avec Simon vient déjà de manger deux murs, donc on se donne rendez-vous en garde à vue. De quoi ? Je pense. T'as pas dit 22 ? Non, 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 c'est bon, c'est bon. T'as pas dit 23 ? Non plus. T'as dit 18 ? Non plus. J'ai mal aux yeux. Si maintenant j'ai fait moitié malaise des yeux, c'est la merde. Oh mon dieu, comment on fait ? Ah, j'ai chopé la grippe. Comment ça la grippe ? Ben prends vite un truc. J'ai pas d'antibio. Comment ça, t'as pas d'antibio? C'est la merde, ouais. Sérieusement? Mais j'en ai, moi, mais faut que tu descendes à la voiture. Bon, viens vite, eh. Tiens, prends cet antibio et vite, remonte ta voiture. Et si la police arrive maintenant, on est tellement dans la merde, Mike. Pour information, je crois que c'était une bonne idée, parce que Mike, il est plus en voiture, il cherche des antibio. C'est bon, Mike a des antibiotiques. Je me suis arrêté 20 secondes devant une moto et j'ai un chouf qui m'est arrivé sur la gueule. Et les choufs, il t'a dit quoi ? Non, rien, tout va bien, on est reparti, mais il y a du chouf quoi. Si on veut braquer des gens, il y a du chouf. Et si on veut braquer du monde, on y va, on les braque, fait. Ouais mais c'est ça le problème qu'on se disait de les braqueurs qui se font braquer, qui se refont braquer. Ah tu nous donnes une pause et puis on va rebraquer les braqueurs qui braquent les braqueurs. C'est ça en fait, les bordels en fait, t'as 17 groupes des criminels à la fin.
87 après, personnes. C'est peut-être des gars après, qui après, bossent pour nous. Après, ça va jouer au mieux armé, quoi, mais... Il y a de grandes chances que ce soit des gars qui bossent pour nous aussi. Hein. S'ils ont des vestes marron d'hiver en mode ils dorment dans leur voiture, c'est peut-être le syndicat. Il y a les Zodiac aussi qui bossent et d'autres petites mains, hein, donc... Pourquoi on bosse du coup en fait? Bah parce que ça permet de conserver l'avance. Prends 7 sacs et je suis à 80%. Ça marche. Allez Jeannette, donne-moi des sacs et Ginette. Ginette la Jeannette. Tabrac. 90-46 pour nous. Cinquante-six sacs, pas un policier. On va les déposer à la maison. Ça me parle la Ginette. Mmh. Ouais, celle-là, elle est cool. Mais c'est que 56 sacs et hop. Simon, t'as pas ta Foror? Si, dans mon garage. Non, mais sortie. Non. D'accord qu'il y a Michel, Jackie. Jackie, Michel, oui. La GT de Jim. Ouais, dans cet ordre-là. Et la flash, ouais. Kim, j'entends des sirènes, je te dis quoi. Des choses bizarres. À nous, j'ai un doute. Demande s'il y a quelqu'un. Yo, 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 c'est pour qui? Aucune idée. C'est pas pour qui tu bosses. C'est quoi? Ah, on pour a bosser. Raqueté un balas. Dis-y, tu bosses. Désolé, à la carte. Ça répond pas à la question. La question je est. Je dirais. La question est, ça vous travaille pour qui? Je travaille pour des gens, mais je dirais pas par confiance, pour pas trahir leur confiance qui c'est. Pour qui? Oh bon, on a raqueté 11. Pour qui tu bosses? Annonce où tu meurs. Je le dirais pas forcément violet, hein, là il était. Je le dirais pas. Annonce où tu meurs.
Les verts. Je vais pas y aller. C'est compliqué. Ouais. Ça a commencé, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi j'ai pas de 9 mois? Moi j'en ai. Tu me suis dit quand t'es sorti, c'est bon, j'ai un appui, mais pas du tout. Ouais, ouais. Il faudrait peut-être qu'on voit avec Ben Riggs, c'est. Il a les permis, je crois. Je crois, ouais. Bah, tu me diras, moins de tir des cartouches, mieux ça se passe après. Quoi ouais. Bonjour. Oui, vous êtes sorry, oui, friend. Qu'est-ce que tu veux, je déguise ? Bonjour, Ginette ! C'est nous ! C'est pour un braquage. Est-ce que vous auriez l'amabilité de me donner l'intégralité des sacs que vous avez dans les caissets afin que je puisse permettre à mes enfants de manger ? Non ? Non ? Comment ça, c'est scellé ? S'il vous plaît. Faites un petit effort. Et Ginette, de vérifier que très bien, c'est soit des encellés, mais que peut-être il vous restez petit miette, non? Petit miette. Non? Très bien. Pablo, t'as tiré sur des gens? Non, non, j'ai tiré sur personne. Vide. Encore. Pourquoi? Parce que j'ai des gens par terre devant les super. Little Seoul, c'est mort. Je pense. Oui, oui, il n'y était il n'y a pas si longtemps, tu... ça se recherche pas aussi vite que ça. Pour le temps que Ginette, il y a des gens cachés de chez elle, non? Oui, c'est vrai. Peut-être, ça fait longtemps pas fait, et comment ça s'appelle? Celle-là, on l'a fait. Celle des Ballas? On peut. Celle des Ballas, à tous les coups, elle est faite non-stop, non? Je pense. Oui. Nous, on va tester les faire celle des Ballas. On va venir vous chercher. Nous on a rangé la révoltaire, on sent le Nova qu'on va varier entre les deux véhicules. Ok, nous on tente les... celle des balassés. J'aimerais beaucoup qu'un balas me dise bouge. Colle-toi à lui. À côté? Non, devant, comme ça il bouge plus. Bonjour. Bonjour. Ça braque? Ouais. Ça bosse pour qui? Bah, regarde la couleur de la voiture. Et le deuxième? Ouais. Et celui qui braquait. Besoin d'un sandwich, Miguel? On arrive. Mec armé, remonte Miguel. Armé, armé, armé. Remonte, remonte, remonte dans la voiture. Eh, au 9 mili, il nous braque. Où ça, où ça? Balas. Viens ton homme de lâcher son arme. Pauvre merde, là. Oh, bien joué, les frérots. Décale, bien va. Je suis derrière. Ils ont bougé de la supérette, j'appelle les AMS. Non, ils sont encore là sur les toits.
prend le vol, on prend le vol, on prend le vol. Ah bah alors, juste comme ça, à partir d'aujourd'hui, les balas, ils vont se faire farmer H24. Sans explication, sans rien. Pablo, il va les farm. Note à moi-même, avec les balas, on peut jouer à Call of Duty. Pas de scène, que des tirs. C'est faisable. Largement faisable. Une question, est-ce que c'est ton deuil qui t'a handicapé? Mais en fait, c'est pas une question de youpa. Moi, je jouais une scène et je me suis pris une tête. Comment te dire que je peux pas, y a pas moyen de répondre ou de pas répondre. Je discute avec une nana dans une voiture. Et je me prends une tête depuis un toit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, ça, tu peux rien faire, quoi. Je vais être franc. Tu peux rien faire, en fait. Donc, moi, je joue une scène, je discute avec quelqu'un, je me prends une tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, je me prends une tête. Non, on va jouer, les médecins, les machins, ça dérange pas. Oh putain. J'ai pas assez de mains. Bah, je peux pas faire. Oh bordel. Écoute, tire au niveau de 90-80. Au niveau de groupe street. Mais ils sont juste derrière, ils sont juste derrière. Sur commune, on a des écotiers au niveau de groupe street. Les gens croient qu'ils aiment me foutre des têtes. Capitaine, vous pourriez mettre votre véhicule de manière à sécuriser les blessés? Oui, je vais le mettre de côté, oui. Moi, c'est bien, je me repose les yeux. Par contre, Pablo, il va être lâché comme un chien. Qui tire au pistolet en 90-94. 10-5. De l'autre côté, dans la ruelle, viens voir. Et par là. La ruelle. La ruelle, là, derrière. Thank you.
Quand je me prends un antidouleur, hein. Quoi? Oui. Quoi? La ruelle, en 90-96. Oui, 90-96, la ruelle. Juste là. 90-96. Ok. Faites attention, il tire au pistolet. Mais on ne le sait pas forcément nous-mêmes, donc quittez la zone, s'il vous plaît, merci. J'ai besoin d'aide pour faire pression sur les plaies. Je peux pas m'asseoir. Je peux pas m'asseoir, non. Désolé. Oh, attends. Aide-moi à me baisser, s'il te plaît, ouais. Oui. J'ai... Putain, ça fait mal. C'est bon, je m'occupe de la dame. Ok. J'ai mal. Évidemment, je t'occupe de la dame, ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai mal, moi. Alors moi, le seul truc, c'est que j'en ai marre de prendre des têtes. C'est toujours pour moi. Une balle de softball dans la tête, une balle dans la tête, toujours dans ma tête. Est-ce qu'ils peuvent choper d'autres membres de la Valo? Ça m'arrange, moi. Non, non, monsieur, quittez la zone pour l'instant. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, venez nous voir après, mais pour l'instant, c'est... Eh ben, on verra ça plus tard. Merci. En soi, ça me dérange pas. Hein. Entre deux supérettes, ça permettra de farmer du ballast en boucle. Puis on n'aura pas besoin d'avoir de justification, c'est très bien. On pourra les farmer en mode... En boucle, tu sais, jusqu'à ce qu'il pleure au sol, comme les loges, comme les autres. Autour de la super de c'est ça personnel. Qui est bon. Deux individus, nous le sultan. Il y en a qui disaient dans le chat, ils ont fait un piège, mais il n'y a aucun piège en fait. Mais vous faites pas un massage cardiaque si vous êtes blessé. Ils ont fait, ils ont fait aucun piège en fait. Ils ont pensé qu'ils se faisaient braco, ils ont tiré, fin. Qui est saine, qui est pas saine, on s'en bat les couilles. Ils ont pensé qu'ils se faisaient braco, ils ont décidé de tirer. C'est une solution comme une autre. Maintenant, quand Miguel sera sur pied, ça va chier. Mais vous, est-ce qu'on est d'accord que c'est toujours, toujours pour Miguel les têtes ou pas? On est en face de ça. Ouais, c'est vrai que dans du bleu comme ça, en mode avec les lunettes, ça fait chelou. Mais c'est pour mon oeil, sinon c'est baisé. Mais on est d'accord que c'est toujours pour Miguel les têtes? Avec les Lost, avec les Ballast, y'a pas un moment donné où ça peut être quelqu'un d'autre? Miguel est trop dans la discussion, c'est ça. Vous dites après que Miguel il est fou. Ouais, Miguel il discute pas. Miguel est trop dans la discussion, il prend des têtes. Ouais, ah, par contre, ça vise la tête direct. On a. Ça tire pas à côté, un, ça deux, fait pas. 4 corps au sol, au niveau de la. Viser la tête avec le stylo big, ça va bien c'est se passer. C'est sécurisé, tu peux venir, ouais. Merci. Allez, on tient le coup. Moi je dis que c'est parce que les ballasts sont jaloux de ses lunettes. Bonsoir. Jaloux de ses lunettes. Sont là en mode. Non, elle est trop de swag. Faut lui clouer son swag à ce bâtard. Monsieur Flinch. Pourquoi c'est sécurisé? Qu'est-ce que vous dites? Comment ça vous sécurisez un EMS? Eh ben vous pouvez... Posez-vous au large, faites gaffe à la station. Je vous remercie. Qui est déposé par TPH? Le capitaine qui est juste devant. Hop là. Allez, on tient, bordel.
Allez, ça va le faire, madame. Est-ce qu'il y a des gens dans la supérette? C'est une bonne question, ça. Parce qu'on a pas checké, hein. Il y a quelqu'un qui est en train de checker, il me semble. Vas-y. Allez, on tient le coup, les EMS sont là. Allez, madame. Hop. Faut que j'attendais les deux que je me... On va pas vers la ligne. Bah, faut pas que je... Non, vous inquiétez pas, c'est pas vous, c'est moi qui faille me gaufrer. Allez. Y a quelqu'un qui a des rougeurs, je pense. 1, 2, 3. Y a quelqu'un qui a des rougeurs par ici, j'ai l'impression. 3, 1, 2. Épidémie de rougeur. Ah merde. Je crois que c'est le doc, ouais. Ah merde. Allez. C'est qui a les rougeurs, hein. Il y a moi. Ah. Paul, je viens vers les poubelles. Ouais, je relève mon patient et je m'en occupe. Hop. Allez, doucement, monsieur, on se relève. Voilà, j'arrive. Posez-vous, installez-vous, allongez-vous si vous êtes pas bien. Hein. Est-ce qu'il faut, docteur? Ouais, oui, justement, j'ai l'autre docteur. Ah, d'accord. Allez, madame. Je vais mettre ça, mais contaminé. Excusez-moi. Aussi. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Ah. J'avais prévu de vous tuer. Ok. Hop, allez, je prends le relais sur l'un des deux. T'as mis, ils ont paumé les médecins ou quoi? Rendez-nous les médecins! Rendez-nous les médecins! On veut des médecins! Ah, la police! Je change peut-être la donne. 3, 1, 2. Allez, je prends la relève. Nous allons inaugurer un nouveau The Run Balas. Oui. 1 million de dollars. Hey. Oh, le Balas. Se relève doucement si vous sentez pas, si vous sentez pas vos jambes, vous vous asseyez tout de suite. 5, 7, 8, 9, 6, allez. Bon. Le côté, on respire. Allez, on s'assoit. Voilà. Nickel. Okay. Après Pooching Vegas, Pooching Lost, le troisième gang à vouloir absolument se faire défoncer, les Balas. Balas de, Balas de. Okay. Okay, je vais mettre des compresses. Compliqué, compliqué. Ok. Allongez-vous. Voilà. Ok. Hop. J'ai tout mis. Voilà. Je fais au maximum. Okay. Hop. Allez. Hop, monsieur, je vais vous mettre tout ce qu'il faut. Vous avez pris des balous, si vous m'entendez. Hop. Ouais, je saute. Ok. J'ai super mal à l'épaule. Ok, là, qui est de la gauche, à droite. Ok. Ok. Alors, je vais mettre un bandage avec des compresses. Je vais essayer l'épaule gauche. Ok. Hop, je fais pareil au niveau de l'épaule droite. Respire. Je serre à fond. Je vais enlever votre masque, vous essayez de respirer. Allez, on enlève le masque. Voilà. Ok, allez, hop. Ok, respire pas. Alors, hop. Je vais t'aider. T'as de quoi intuber? Oui, j'ai de quoi sur moi. Ouais, alors nickel, vas-y, je pense le temps en arrière. Ok, attention. Vas-y. Voilà. Ok, tu lui mets un ballon. Ouais. Pas de rouge. Un ballon, ouais. Voilà. Allez, vas-y, pompe. Allez. Je vais chercher un brancard dans l'angle. Okay. Vas-y. Vas-y, je reste là. Allez. Allez, monsieur, reste avec moi. Allez. Et... Allez, on essaye de respirer, monsieur. Voilà. Allez, je pompe. Je... Pompe. Allez. Allez, on charge. Ouais. Je t'aide. Faut qu'on le mette debout. Ouais.
Ok. Allez, Allez, je te fais l'ambulance. Ouais. Vous avez réussi à stabiliser. Allez. Moi, je vous offre du RP. Si j'ai mal à l'œil, je me prends une balle dans la tête. C'est la base. Tu sais, j'ai eu un problème. J'ai pris une balle de softball dans la gueule. Avec un trauma crânien, il y a un œil niqué. Obligé de mettre des lunettes de soleil pour live. On en est rendu là, ça fait un peu rockstar. Moi, je vous l'offre aussi dans le RP. Ah, voilà, je... Bien, ça c'est il semble important de coller à la réalité. J'avais payé les balasses pour faire ça. Voilà. Hop. Ok, je vais me brancher sur la machine pour qu'il continue à respirer et je vais l'attacher. Voilà, nickel. Ok. Il part pas le médecin ? C'est barré, mais c'est seul dans l'ambulance. Je suis seul dans l'ambulance. Je suis même pas prioritaire pour médicoptère. Mais qu'est-ce que c'est que cet emmerdement? Jusqu'au bout, ils sont censés m'avoir intubé, je suis même pas dans l'hélicoptère. Et que font les EMS? Ah, c'est quand même une honte, hein. Alors bon, je vois pas qui est le bon, c'est quand même une honte, quoi. Voilà. Inadmissible. Je vais mettre une étoile sur OMS Store. Ça me semble pas... voilà. Je pense que je me suis fait entuber, pas entuber. Parce que c'est vraiment... C'est, les services publics de nos jours, c'est vraiment de la merde. Voilà, je voulais qu'on en parle. Les services publics de nos jours, quelle merde. Vraiment, 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 quelle merde, quoi. C'est... Chiabite, quoi. Moi, je pense. En toute franchise, en tout loup, je pense une chose. Je pense une chose, c'est parce que les EMS n'ont pas leur VPN. Voilà, je voulais vous le dire. Si vous ne connaissez pas leur VPN, vous pouvez dès maintenant cliquer sur le lien que vous donnez maintenant. Et moi, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas leur VPN. Voilà. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez dès maintenant cliquer sur ce lien, qui est un magnifique lien, afin de faire plaisir. Voilà, clique sur le lien. Même si tu veux pas acheter, tu cliques. Allez, clique! Clique, nom de Dieu, clique! Que vous voulez. En vrai, j'ai discuté avec un joueur ce matin en modération qui avait fait un ticket et qui me disait comment tu fais pour pas prendre le truc pour toi, en fait? Comment tu fais pour pas péter une pile? Ouais. Il y a des scènes qui sont pas faciles à jouer, et des fois, bah, une scène comme ça, tu te fais coucher, t'as rien demandé, et puis t'es frustré, c'est frustrant en fait, parce que bah, t'as pas eu l'occasion de discuter, il s'est rien passé, pam, t'es couché. Voilà. En disant, bah, comme tu joues, le joueur me disait ce matin, il me disait, mais souvent avec Miguel, ça peut être un peu un narcissique, mais t'as ce côté où bah, t'essayes de faire des scènes à tout le monde, comment tu fais pour le vivre? Mais sauf que Miguel, c'est pas moi. Donc, comme Miguel, c'est pas moi, je le prends pas mal. Ouais, je me suis pris une tête, on passe à autre chose, j'attends les médecins, on va jouer le jeu. Okay. Ça va pas nous empêcher en fait de passer un bon moment ensemble. Donc voilà, juste Miguel, comme c'est pas moi dans la vie, je le prends pas personnellement. Maintenant, bien entendu qu'action égale conséquence. Donc on va voir ce qui va se passer, mais ils vont bouffer quoi. Maintenant, moi j'en ai rien à secouer en fait. Ça ne changera pas ma façon ni de dormir, ni d'avancer demain ou hors live quoi. Largement différent. Hop. Moi j'en ai rien à secouer en fait. Okay. Les balas font bien ce qu'ils veulent.
Et je suis pas énervé en fait de la situation. Voilà. Comment le prend Miguel? Miguel il va vouloir tout défoncer comme d'habitude. Maintenant moi, ça change rien en fait. Je suis un peu déçu de pas partir en hélico quand même. Parce qu'ils ont quand même envoyé ma femme en hélicoptère quoi. Maintenant le truc il est là, les ballasts quand ils vont se rendre compte qu'ils ont couché la mano, ils vont peut-être péter une pile ou en mode je sais pas, j'en sais rien, ça sera le RP pur. Voilà. Maintenant ils ont paniqué, ils ont tiré, ou pas paniqué, c'est en mode on se fera court. Vous avez juste un mec qui discutait avec l'un de leurs chauffeurs ou un de leurs choufs. Enfin, c'est pas... Maintenant, chaque action est différente. Et moi, je ne prends pas la tête. Bah, voilà pour répondre à la question. J'en ai... Contrairement, en fait, à plein de gens qui sont en mode, ils mettent toute leur vie. Moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Il faut, si vous faites un personnage, enfin... Pour que les actions vous passent au-dessus. Sinon, vous allez mal vivre les choses. Moi, j'ai vu des gens, en fait, qui vivent le truc trop mal. Mettre une pile et tout. Wow. Calmos. C'est qu'un jeu, en fait. Tu dois aider de streamer en même temps. Pas du tout, c'est même l'inverse. De merde. Comme t'as plein de gens qui te donnent tous leur avis en fait, c'est un peu compliqué quoi. C'est un peu compliqué beaucoup quoi. Maintenant, il y en a qui s'énervaient dans le chat. Sachez que si jamais il y avait un souci, c'est la modération qui gère et moi je gère pas la modo. Ils se débrouillent, c'est des gros garçons. S'ils jugent qu'il y a un problème, je serai convoqué comme un autre. Et, enfin, ça peut être mon serveur. Hein. Si moi je fais une bêtise ou si les gens font des bêtises ou si ça ne colle pas. Enfin, voilà. Maintenant. Voilà. Je me prends pas la tête. Au contraire, détachez-vous de tout ça, quoi. Plus on prend les choses à cœur, plus on fait de la merde. Oh bah, tout plus. Un petit tousse de temps en temps. Hop. Aurait lui rappelé que je suis en vie. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sur le lieu du parking. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Mais on a chopé le pire médecin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pas fermer son ambulance. Il va nous bigner la tête dans les trucs. Quel bordel! Merde. Il va tout péter l'animal! Ça sent le 12 heures d'invalidité. Oh oui, je pense. Ah, oh, je pense que ça sent le 12 heures d'invalidité maintenant. J'ai pris une balle, c'est pas rien. Donc je pense que ça sent le 12 heures d'un... Ça sent le 12 heures quoi. Pour moi, la voiture s'arrête ici. Je peux plus courir, je peux plus sauter, je peux plus rien. Allez. Si je puis me permettre, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Mais t'es d'accord de quoi? Le patient, tout le monde dit quoi? D'un côté tout seul. La validité? Allez. Putain de merde. Je vais bien me poser trop près. Aïe. Ouh. Ok. Hop, je vais me rebrancher correctement à la machine. Après, c'est pas moi qui vais choisir. Hop. Bon, je vais à la machine pour l'aider à respirer. Je vais mettre les constantes. Ah ouais, putain, j'ai pris la totale. On est parti pour... Allez, médecin, non, pas 17 heures d'opération, hein. C'est non. Je veux bien jouer avec toi, mais me mets pas sous respirateur. Sinon, on peut pas RP, frère. Perfusion sanguine aussi. Frère, si tu me mets sous respirateur, à quel moment tu veux qu'on RP? Bon, hop. Oublie pas. Toc. Reviens. Me laisse pas comme ça. Je suis dans ma tête, mais je peux pas te parler! Ma conscience est là! Tu m'as mis sur respirateur, frère! N'oublie pas que je suis avec toi! Ce que je me dis aussi, c'est que peut-être que les ballasses, si Pablo ou quoi les appelle, ils vont peut-être paniquer en mode pardon, on sait pas. Ou peut-être que le mec il va dire je t'emmerde, on verra bien. En fait, c'est ça où moi j'adore, c'est que là pour l'instant j'ai aucune carte, là rien, je décide rien là. Je suis blessé, il y a un médecin, il fait sa vie, il fait machin, il va me faire son RP, on va avancer, etc. Et j'avais pas prévu ça, moi j'avais prévu de faire des super aides jusqu'à 2h du matin, là ça va être compliqué. Voilà, maintenant, c'est ça qui est génial, parce que j'ai,
quand je vais revenir, peut-être que Pablo aura des trucs à me dire, il va me dire je les ai tous couchés, je leur ai niqué leur mère, ou je l'ai eu au téléphone, il me dit de nous faire enculer, il y a la guerre, ou peut-être qu'il va dire il s'est mis à genoux, j'en sais rien. C'est ça qui est génial. Voilà, et j'ai aucune info, et j'en veux pas. C'est ça qui est chouette, vous trouvez pas? Par contre, Doc, faut revenir. Doc! Je me suis levé au-dessus de moi. J'ai crevé, là. Je vais crever, hein. C'est ça? C'est ça, Doc? Doc, je vais crever, là. Non? Je m'occupe de le préparer. Comment ça, me préparer? D'accord. T'as pas du tout, ça. Comment ça, Doc, me préparer? Je me sens partir, là. C'est la fin de Miguel? C'est la fin de moi-même? Je vais pas laisser la reine et moi? Allez, on va... Ah non? Hop, tu vas m'aider. On ah non va ouais. Doucement. Miguel, elle va pas mourir, pas comme ça! Mon dieu! Ah bah vas-y, va là. Une 6000 personnes en stress, là, d'un coup, en disant le con, il pourrait le faire! Vas-y. Allez. Hop, on va retirer la veste. On va retirer, hop. Les chaussures. Voilà. Les pantalons. Et on va retirer les lunettes. Ah non, pas les lunettes. Laisse-moi avec un peu de classe, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Hop, allez. 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 Ouais, je prépare juste les patients. Docteur, je vois la lumière, moi. Est-ce que je vais à la lumière ou pas? Je vais vers la lumière? Oh non. Pas même pas. Tout est bon. Ok. Il est mort. Miguel est mort. L'assistance réparatoire. Ah, je déconne. Super. Je suis un enculé. Eh oh! Je m'amuse comme je peux pendant l'opération. On fait ce qu'on peut quand même. Déjà, les lunettes de soleil en train de live pour être sûr de pas me niquer le regard. Alors en plus, je peux pas rigoler un peu. Ah, tu vois. Tu vois. Docteur ? Sérieusement ? Allô ? Docteur ? Et je suis tout seul, hein. Allô ? Docteur ? Allô ? Docteur. Docteur. Parce qu'en fait, on est tout seul. Docteur. Un topin! Demain, fais topin, ouais, chaud demain. Demain, pendant le live, je fais topin. Je mets des têtes avec un œil! Des têtes avec un œil. Très bien! Puisque vous adorez ça, chanson. Ouais. La chanson de Noël. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas fait le bien de Noël. Électrocardiogramme, tout va bien. Ouais, les constantes sont correctes. Docteur, vite. On fait les socs pour que j'arrête de chanter. Rapport. Ça pourrait tuer Miguel de faire ça. Monsieur, il est conscient ou pas? Non, je ne suis pas conscient, il m'a intubé. Je t'entends pourtant, reviens s'il te plaît. C'est affreux. Pourtant, je te vois, docteur. Je voudrais tellement, oui, tellement. Non, mais sans déconner, docteur! Allô?
Ah bah, ce matin-là, le docteur, il en a pris une dans le cul, mais attends. Docteur. Allô, ils m'ont oublié ou quoi? S'il vous plaît, y a quelqu'un? Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, c'est quand même pas embêtant, là. Est-ce qu'il y a personne? Vous voudriez bien qu'il y ait quelqu'un? Ah, parce que vous ne pouvez même pas opérer. Docteur? Merci au passage Kai85 pour ce 5 subs offert à la communauté. Merci à Knaki. Knaki qui veut de sub 7ème mois. Merci à Julie. Oh ouais, docteur. Docteur, docteur. Ça marche. Alors, est-ce que le patient a déjà été endormi? Le patient au bloc 2 a été endormi, n'est-ce pas? Oui. Oui. Oui, il a dit sous assistance respiratoire. Oui. Et du coup... Oh putain, trois docteurs. Il a été mis sous respiration artificielle. Mm-hmm. Ah, pourquoi? Il avait du mal à respirer. Je pense qu'il a... C'est pas vrai? Il a dû perforer les poumons. C'est faux. Ouais. Donc je l'ai mis sous j'ai mis toutes les perfusions, je l'ai pas endormi. J'attendais que vous arriviez. Ah, très bien. Et j'aurais surveillé sa situation, donc pour l'instant ça a l'air de s'être stabilisé, mais il continue de rejeter du sang de temps en temps. Quoi? Ouais, bah, non, c'est pas pour ça, t'aurais dû l'endormir. Hein? Ouais. Ouais, c'est vilain. C'est quand même un peu traumatisant de cracher du sang. Vilain docteur. Bon, je file, j'en ai un autre à jouer. Allez, file dans ta chambre. Ok, bon. Allez, on va lui injecter le produit d'endormissement. De toute façon, à mon avis, je vais dormir beaucoup. 100% conscient non plus. Hein. Oh. Ouais. Je te dis que je dormirai. C'est du bien quand même de le faire sombrer dans le sommeil. Ce sera toujours plus agréable pour lui. Enfin, en tout cas, moins désagréable, ça c'est sûr. Ouais, je vais récupérer quelques culots de au positif. Ça marche, merci. Elle a dit qu'elle avait du culot. Moi, je trouve ça bien, les gens qui ont du culot. Allez, c'est parti. Hop. Super. Allez. Non, allez, c'est parti. Monsieur, il est un peu raide. Comme une trique. Comme une trique. Déjà lui faire passer un culot avec les crachusons. Il serait un peu une triquée. Alors, il a dit combien de balles au niveau du torse? Une, deux. 17 toujours plus. Il a une dans les poumons. Balles au niveau du torse, je t'avoue, j'ai pas... Wolf, combien de balles au niveau du torse déjà, s'il te plaît? Merde, je vais le voir vite fait. Okay. Oh non! Ah, sans décoller! On est arrivé à 21h! On m'a connu. Ok. On va prendre l'écho. Eh ben, on va faire une écho. Génial, ouais. Une écho! Ah, frip, ouais. Là, on est bien. Allô? Déjà on t'entendait pas, c'est parce que je suis un fantôme, c'est ça? Là. Allez, on y va. Ça sent pas bon quand même, cette histoire. Pulmonaire. Non, je déconne. Il y en a une qui est ressortie, visiblement, qui vient de traverser les poumons. Et une autre qui est encore présente. Ouais, il y en a que deux. Par contre, ouais, ça a bien traversé les poumons, ça n'a pas touché les autres organes. C'est une bonne chose et une mauvaise chose en même temps, j'aime pas les poumons. Ouais, ok, pareil. Allez, c'est parti. Allez. Quoi, les poumons? Ah bah non, pas les poumons. On va d'abord déloger celle qui est à l'intérieur. Ouais. Ouais, je pense que c'est le plus chiant. Ok, allez, c'est parti. Incision. Voilà. Ouais, je te pose les écarteurs. Merci. Attends, je vais même inciser un petit peu plus parce que là, avec les côtes, donc genre pas pratique, c'est pas pratique. Ouais.
Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que avec la pince courbée, je vais passer par en dessous de cette côte pour rien péter. Ok. Allez, hop. Je m'occupe de prendre les notes pour le dossier. Si tu veux bien, ouais. Ok. Allez, tac. Ok. Allez, super, je l'ai. Alors, je vais juste mettre des compresses stériles un petit peu. Là, en attendant. Tac. Ok. Alors, faut voir ce que ça m'a foutu dans le poumon, par contre, parce que ça, c'est le merdier. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper les petits bouts de tissu qui sont déchirés. Je préfère couper des formes nettes et bien refermées. Donc ça va lui faire mal pendant qu'il respirera. Alors là, le premier jour, les prochaines 24 heures, il va pas apprécier. Il va vraiment pas apprécier. Mais là, la balle, elle s'est un peu trop baladée. Malheureusement, vu qu'elle est restée dedans. Ok. J'étais parti faire pipi. Après, s'il prend pas la grippe, s'il tousse pas, ça devrait pas trop mal se passer. Hein, mais ouais. ça va lui faire quand même une bonne douleur vive à la poitrine, si jamais. Hein. Ok. Allez, hop. Comment ça, 24 heures d'incapacité, on est sérieux? Comment ça? Oh, toujours. Allez, plus. Bon, je fais mes points internes avec résorbable. Essayer de faire ça proprement. Ce qui m'emmerde, c'est que c'est des poumons, donc c'est ultra extensible. Donc, du coup, techniquement, ouais. Pas envie de les faire à lâche, mais point. Il va pas aimer. Ah, ça va tirer un peu, de toute façon. Ça va avoir le choix. Ouais, j'ai pas le choix là. Ok. Allez. On va pouvoir refermer du coup la deuxième après. Ouais. Attends, j'ai bientôt fini là-dessus. Ok. Allez. On ferme la plaie en dernier, d'accord? Ok. Allez. Parti. Pour l'autre orifice. Tu veux le faire ou je le fais? Non, je peux le faire si tu veux, y a pas de soucis. Vas-y. Allez. Oh. Tiens, tout ça, enlève les écarteurs ici parce qu'il n'en a plus besoin, juste pour la peau et la plaie nécessaire. Ouais, allez, on va réinciser un peu par là. Et... allez, on va écarter doucement. Ouais, là au moins, comme elle est ressortie, c'est assez net. Pas trop mal. On va pouvoir refermer aussi. On peut résorbable. Par chance, il n'y a pas d'artère de toucher, il n'y a pas de gros vaisseau non plus. Bon. Allez. Point résorbable, on est bon. Voilà. Déjà, refermer du coup les deux plaies ici au niveau du torse et on va pouvoir s'occuper du dos après. Allez, c'est parti pour les points non résorbables cette fois-ci. Ok. Pronostic vital. Il va en chier pendant les prochaines 24 heures. Pour l'instant, ça va. Alors, j'ai déjà vu faire ça. Mets un petit peu de sérum Fi pour bien réhydrater les poumons. Parce que là, ils ont plus de liquide pleural, plus ils ont un peu craché du sang. Mmh. Ça va aider à nettoyer. Pour le réveil, je pense qu'il y a quand même moyen qu'il puisse se réveiller ce soir.
Ok. Mais si jamais ils le sont pas, je pense que c'est une très bonne chose qu'ils passent la nuit à l'hôpital. C'est quand même conseillé pour qu'il évite de choper la grippe ou le rhume ou un truc comme ça. Ouais, ouais, parce que là, il avait du coup deux balles dans les poumons, une qui a traversé et l'autre qui est restée, malheureusement. Celle qui est restée, elle s'est bien baladée un peu. C'est pas GG, hein, j'ai dû. Ah, je pense même qu'elle est encore dans mon corps, là. Elle est au taquet, ouais. Elle se balade. Elle est arrivée du côté de la vessie. Incision un peu plus nette. Là, elle y est. Donc, oh merde, elle fait un trou dans la biliaire. Okay. C'est génial! Les N'hésitez pas, mettez-moi 48 heures! Toujours plus! Allô? Y'a quelqu'un là, sur la table? Oh! Tu m'oubliais pas, mon dieu! Ouais. Ouais, mettez-moi 48 heures! Hein. La balle est dans l'orteil! Je répète, la balle est dans l'orteil! Toujours aussi correct. Et pourquoi? Moi, je veux pas dormir à l'hôpital! Vous êtes quand même conscient que c'est un jeu, je vais crever de faim là! Vous m'avez gardé en fait 40 minutes, je vais crever de faim! C'est l'enfer! Deux balles sur la police, oh, 17 balles sur le syndicat. Ok. Ah, à l'instant, ça se passe pas trop mal. Bon, bah j'attends, je vous laisse terminer. Ok, tout pareil. Un rappel, il est allergique à la morphine, par contre. Ah ouais. Je peux lui mettre de l'oxycodone. Ah ouais, j'ai vu son dossier, justement. Je sais pas si... Il y a d'autres qui sont passés lui m'ont donné de la morphine. Pour l'instant, ça va, mais le problème, c'est que comme là, il était inconscient jusque-là... Par contre, faut bien dire aux résistants, inconscient et endormi, ça veut pas dire la même chose. Ah non, non, inconscient il peut se réveiller. Hein. Ouais, inconscient il peut se réveiller en crachant du sang avec un tube dans la gorge, il peut ne pas apprécier. Hein. Et il aura bien raison. N'hésite pas, fais tes courses de Noël, hostile, ton collier. Tiens! Allez, pour Noël, on va prendre un petit sapin de Noël. Vas-y, n'hésite pas. Ok. Allez, c'est bon, on a fini. Je vais prendre le... Ok, c'est tout bon. Allez, vas-y. Tu fais tes courses de Noël, n'hésite pas à les faire sur ton pacha. J'ai fait des perfs. Je suis un peu loin, moi. Ah, vous avez l'air con si je me relève pas, là, hein. Allez, on peut-être transfère. Je me pas. Ah bah non, on transfère pas, mais pas de bras. Pas de bras, pas de transfert. Je suis un peu loin, moi. Ouais, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il faut un troisième pour jouer là. De quoi? T'arrives à l'avoir ou pas? Je t'entends pas. Allez-y. Ah, t'as l'air con là pour soulever Miguel, hein. Ouais, c'est de transférer sur le cœur déjà. Ouais. Ouais. J'arrive pas à le. Et pas de bras! À l'attraper. Bah, c'est pas assez de force ça, faut aller à la salle. Pablo, il va à la salle. Allez, on va essayer de transférer du coup. Allez-y, essayez de transférer. Vous m'aviez oublié. Vous oubliez qu'on était trois dans cette salle. 1, 2, 3, pas de bras. Pas assez de bras. Allez, pas assez de chocolat. Allez, vas-y. Je sens pas crème. Oups, je vais mettre une facture, le pauvre monsieur. Allez, mets-moi une facture, ton produit. On est bon. Ok, c'est bon. Allez. N'hésitez pas à m'amputer aussi de ton collier. Réanime. C'est plutôt. Ouais, ok. Donc, je fais le dossier. Je t'ai déjà. Ok, ça. Ok. Allez, hop, on va vous mettre tranquillement sur le lit, ça va bien se passer. Voilà. Je branche les constantes, voilà, j'injecte le produit de réveil.
voir dans combien de temps il va se réveiller, mais à mon avis, avec la douleur, ça va pas trop tarder. Au cas où, je mets un petit beeper pour que ça nous envoie un message d'entreprise dès qu'il se réveille. Ça devrait pas trop mal se passer. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas, ça va. Elle a dit pas trop mal. Elle a pas dit ça va bien se passer. Elle a dit ça va pas trop mal se passer. Pas trop mal. Elle faut faire chacha. C'est elle qui me le dit. Hein. Ça va pas trop mal se passer. Ça veut dire quand même que ça va pas mal se passer. Et donc, ils ont laissé la balle dans le poumon ou elle a fini dans le pied? J'ai compris que j'étais foutu. Pas m'en sortir. Pas m'en sortir. Passera pas l'hiver, Miguel. Passera pas l'hiver. Oh Dieu, qu'est-ce qu'il sait? Non, Miguel, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va, on peut rigoler, on peut rigoler, on rigole. Adieu la BD, le court-métrage, ou la série, ou le film, ou l'anime. Sinon, on fait un coma de 6 ans, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Si vous votiez, on repart pour 6 ans de coma ou pas? Aïe 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 caramba, ça fait un peu mal, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça fait mal, je voudrais des antidouleurs. Aïe, ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Monsieur Collins? Aïe, 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 ça va aller, ça va aller. Aïe, 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 ça fait mal. Oui, mais c'est normal. Attendez, regardez, je vous prends juste, voilà, ça. Voilà, vous pouvez cracher un peu. À mon avis, vous avez un goût de sang dans la bouche, non? Non, ça va. Non, ça va? Non, mais ah. Si vous voulez, je crache. Vous voulez crache? Bah, faites voir, s'il vous plaît, que je vérifie. Ok. Ah, bah, ça va. Ok. Bon, ça veut dire que j'ai bien nettoyé vos poumons. Comment ça, nettoyer les poumons? Oui. Attendez, juste un instant. Oui. Aïe, 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 ça fait mal! Aïe 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 aïe, ça fait mal un peu les poumons, j'ai l'impression qu'une balle s'est baladée à mon corps. Donc vous avez mis une dose, normalement une bonne dose d'antidouleur, ouais. Vous avez encore mal? Non, ça va. Ah! Non, non, j'ai vu nickel, j'ai... Ok. C'est bon. Nickel, impeccable, c'est même pas... Aïe 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 aïe! Oh non, oh, s'il vous plaît,
faites attention. Du coup, vous êtes, semblerait-il, fait tirer dessus. Quoi ? Quelqu'un m'a tiré dessus ? Oui. Je me rappelle qui en plus. Ah. C'était un Schtroumpf dans une voiture verte. C'est d'accord. Enfin, moi, du coup, j'étais pas du tout sur place pour venir vous chercher ou quoi, donc je c'est quelqu'un que je vais avoir à l'œil. C'est rapport au fait que j'ai super mal à un de mes yeux. C'est normal, j'ai mal à l'œil droit. J'ai ça, du mal à l'ouvrir. Pas, peut-être que vous avez fait une chute ou je sais pas. Mais moi, c'était. Du coup, moi, je suis plutôt intervenu sur vos blessures par balle. Hein. Ah, d'accord. C'est, j'ai très mal à l'œil droit. Que j'ai du mal à l'ouvrir, c'est fait très mal. Ah, bon, bah, insistez pas dessus, alors faites attention, d'accord ? D'accord, ouais. D'accord. Vous avez été un petit peu. Comment dire. Soigné par rapport à cet œil ou pas? Non, j'ai découvert là que j'ai mal. Ah d'accord, bah parce que moi j'avais l'impression que ça allait pas trop mal, mais oui. J'ai mal. C'est un peu enflé. Non mais c'est enflé de l'œil, mais après c'est pas grave, c'est okay. les balles. Comment vous dites les balles? Balles. Oui, les balles. Oui. D'accord. Quel est... Combien? Comment? Combien? Quoi? Les balles. Oui. Les balles masquées, ouais. Ah... Hey, 3, 4, t'es calé, non mais les balles, vous parlez des balles. Bon. Oui. Si combien? Vous avez encore la forme comme ça, c'est une très bonne chose, ça veut dire qu'on s'est bien débrouillé pendant l'opération. Je suis d'accord, mais combien? Deux balles. Et ce que je comprends pas, c'est que moi, on m'a pris à l'hôpital. Oui. Pour juste faire l'appendicite et vous me dites que vous avez retiré les balles? Oui. Moi j'étais... Du coup c'était pas pour l'appendicite monsieur. Si, je vous assure que je suis rentré là à 21h30 pour l'appendicite. Je m'appelle George Michael. Vous avez pas trompé des personnes, vous dites les balles, mais moi j'ai l'appendicite. Alors je suis à peu près certaine que vous appelez monsieur Charles Collins. Oui c'est moi, si je rigole. Je me suis fait tirer les chutes de une supérette. Je me suis dit peut-être que vous avez erreur médicale. Sur la tête, non, erreur médicale. Je me suis dit. Je déconne, je sais très bien comment je m'appelle. Oh, merde, comment je m'appelle. Faut pas... Oui. Bon, c'était sympa, mais faut pas me faire peur comme ça, parce que vraiment je me suis inquiétée comme ça. Oui, tout va bien. D'accord, ok, super. Bon, du coup, vous avez reçu deux balles dans les poumons. Une qui a traversé. J'ai posté le rapport. Qui était un petit peu resté. Comment? J'ai posté le rapport, justement. Une qui commence à traverser. Ok. Comment ça, elle est restée? Elle était restée dans le poumon, on a dû la retirer. Vous avez beaucoup de mal à respirer, sans doute. C'est une coquine. C'est une manière de voir les choses. Et à terme, j'aurais tellement des bouts des remplacements que je serais une espèce de cyborg. Alors là, vous inquiétez pas, on vous a rien remplacé. Hein, Déception, d'habitude, les médecins profitent pour mettre une petite pièce métallique et un petit peu des... Non, faire non, des là, cyborg. Non, là ça s'est bien passé. C'est pas génial au niveau des côtes, mais vous inquiétez pas. D'accord. Je m'inquiétais pas. Bon. Du coup, vous allez avoir besoin de beaucoup de repos. D'accord. Combien d'états? Là, ça va être une DT de 6 heures. Hein 6 heures. Ouais. Et on va vous demander. On va vous demander de ne pas faire d'efforts du tout, parce qu'avec les poumons, on n'a pas envie que... Je peux pas me lever du lit pendant 6 heures. Ouais, désolé. On suit le tableau de l'ordre des médecins. Puis comme ça, on est sûr que vous irez bien après. C'est une bonne chose, non? Donc, du coup, techniquement, bon, je pense que vous dormirez à cette heure-ci, mais techniquement, à partir de 5h30, vous pourrez vous représenter aux EMS. Donc, je ne sais pas s'il y aura quelqu'un. C'est-à-dire que là, j'ai pu pas bouger du lit pendant 6 heures. Non, si, vous pouvez. Si vous voulez, vous pouvez rentrer chez vous. Il faut juste bien faire attention. Je vais rester là, parce que si je saute dans le lit chez moi ou dans le lit ici, c'est pareil, non? Au moins ici, c'est. Là, monsieur, si vous désirez rester dessus. Que ce soit dans ces lits-là ou dans les lits de ma maison, c'est les mieux, c'est les mêmes, non? Autant que ce soit là, au cas où il y ait problème, non? Oui, monsieur. Mais si vous désirez rentrer, à mon avis, il n'y a pas de souci non plus. C'est comme vous désirez. Oui. Vous voulez rester ici, pour la nuit? Et de toute façon, je ne peux pas bouger du lit. On peut vous aider à vous relever, etc. Mais bon, si vous désirez, il n'y a pas de souci. C'est pas que j'ai décidé.
Ah d'accord, vous, c'est vous, vous me dites que vous ne pouvez pas, d'accord, excusez-moi. Non, c'est vous, non, mais c'est vous oui. qui dites que je peux pas bouger du lit. Ah non, je vous dis les activités, tout ce qui est activité un petit peu sportive, genre la course, le saut. Ah d'accord, parce que moi j'avais compris, vous avez dit que vous ne pouvez pas bouger. Ah non, alors, non, je suis désolée. Ah, c'est ce que vous avez dit, vous avez dit que vous n'avez pas bougé. Moi, non, j'ai dit pour ça, j'ai dit comment ça je peux pas bouger, vous m'avez dit si, il faut rester dans les lits 6 heures. Non, désolée, c'est moi qui me suis mal exprimée dans ce cas. Mais du coup, non, c'est vraiment tout ce qui est activité sportive, donc... Quand des baseball, je ne sais pas faire. Ah ouais, ouais. Les softball non plus. Porter des objets un peu trop lourds, en plus, hyper dangereux, les softball. Ah bon. Je vous avoue, je ne m'y connais absolument pas du tout dans ce sport. Donc, c'est les lancers de balai, un peu des fois, des fins de tête. Ouais. Bon. Alors, du coup... Beaucoup de repos pendant 6 heures, d'accord ? En gros, quand vous vous réveillerez demain matin, vous pourrez vous présenter aux EMS pour qu'on vérifie si tout va mieux et l'ITT sera relevé, d'accord ? Vous avez quand même une bonne visite de contrôle pour retrait des points de suture le 16. D'accord ? D'accord, donc je reviens... De même pour l'ITT et les 16 on vérifie si vous allez un pour petit les points. Bien. Voilà. Et le 16 pour les points. Si vous avez des douleurs, si vous avez du mal à respirer, ce genre de truc, n'hésitez pas du coup demain pour quand vous revenez pour l'ITT, n'hésitez pas à nous le dire, d'accord ? On va voir ce qu'on peut faire. Ça marche ? Oui, d'accord. Oui. Allez, je vais vous aider à vous relever doucement. Voilà. Voilà. Allez. Hop. Vous pouvez redescendre. Voilà. Vous pouvez vous tenir à moi, il n'y a pas de souci. Voilà, super. Ok. Du coup, tout va bien avec monsieur ? Oui, si t'inquiète pas. Allez, je vous fais les soins finaux. Ah, ouais. Après, on va vous aider à vous rhabiller. Voilà. Ok, oula. Alors attendez, hop. Excusez-moi, monsieur. C'est juste. Voilà, merci. Alors. Les pantalons et les chaussures. Il y en a, il y a déjà leur sécurisation et tout. Hein. Ça rigole zéro. Hein. Il y en a qui prennent ça à cœur. Ah. Et ben, j'ai un petit peu du mal à l'habiller. Ah. Ouais. Merci, c'est gentil. Voilà. Allez, les chaussures, voilà, super. Ok, voilà. Je vais m'occuper de vos ITT. Voilà. Ça va ? Vous vous tenez bien ? Oui, mais quand même. Ok, super. Bon, je pense que vous pouvez vous tenir à moi et mais également à votre collègue, si je peux. Oui, votre collègue. On va. Non, si t'as besoin d'aide. Non. Ma direction les lits de la maison. Beaucoup de repos, ça vous fera du bien. Et monsieur Collins, du coup, que je fais sortir là. On va sortir Allez, avec Miguel. Hop. J'appelle Pablo, dès que tu peux. Miguel. Oui, je vais l'appeler après. Ah, si vous le désirez, vous pouvez prendre l'ascenseur, ce sera peut-être plus simple pour monsieur. Ou alors, bah, vous sortez devant, ça va aussi, il n'y a pas de souci. Non, une voiture devant. D'accord, ça va. Allez, hop. Ok. Merci docteur, à dans 6 heures. Allez, doucement. Il y a votre famille oui. là, si vous voulez. Oui, et ils vont me rattraper parce que de toute façon je suis très lent. D'accord, ok, super. On fait une course déjà là.
D'accord. Vite, Milo, prenons la fuite et la poudre d'escampette. Monsieur, je pense qu'ils ont envie de me rattraper. Je compte sur vous pour bien lui dire de se ménager, de bien se reposer, bien. Oui, oui, vous inquiétez pas. C'est gentil. Merci. Il me rattrape. Merde. Trop lent. Ah bah, il me rattrape. C'est toujours pour moi de me faire trouer la gueule, hein. Il t'appelle Pablo, hein. Oui, il s'appelle Pablo. Il a négocié. J'avais plus de sur moi. Pas mes gueules. C'est toujours pour moi de me faire trouver la gueule, non? Ouais, non. Non mais sérieusement, je discute avec une personne, il me fait trouver la gueule. Je l'ai eu au téléphone, d'ailleurs. Qui? C'est Ballas. Oui, vous avez compris, c'est Ballas. J'ai eu Nicolas, le chef. Oui. J'ai négocié un truc. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit que au début il était un peu vénère, je l'ai fait redescendre. Comment ça il était vénère, c'est sous merde. Ouais, mais je l'ai fait redescendre en lui faisant comprendre qu'en deux minutes son quartier on le rasait. Et qu'il fallait trouver une solution parce que là le fautif c'était eux. Et que et on discute avant de tirer, c'est mieux. Et il a compris. Et derrière il m'a fait une proposition. Il m'a proposé des sacs. Je lui dis les sacs que tu me proposes c'est pas assez, par contre moi je vais t'en faire une autre. Je veux 1500 sacs et les Lost en dernière position. C'est pas une carte place. Et ils m'ont dit... je fais une proposition, 1000 sacs et les Lost en dernier. Je fais non. Je fais maintenant, on coupe la poire en deux, c'est 1250 et les Lost en dernier. Et comment ça, les Lost en dernier? Ils veulent la blanchisserie. Ah, ils voudraient la blanchisserie des Lost? Ouais, exactement. Et donc ils vont faire chier les Lost? Donc là, le deal qu'il y a, c'est qu'ils nous livrent 1250 sacs voilà. Dans la semaine. Et les Lost, on fait en sorte qu'ils soient derniers. Donc derrière, faut voir, il faut que les états se bougent le huc en fait, seulement. Juste ça. Mais c'est à nous en plus de se débrouiller que les Lost finissent derniers. Non, le deal c'est que eux aussi se démerdent pour que... je les ai mis sur le... Je les ai mis sur l'idée que potentiellement ils pouvaient vendre des sacs aux états, tu vois. Donc il a dit ouais, c'est vrai que c'est pas con, machin. Donc si eux ils peuvent vendre des sacs, nous après nous derrière on est tranquille. Et j'ai la certitude qu'ils veulent pas passer devant nous. Ils ont peur. Tu lui dis, c'est simple, 1250 sacs avant lundi. Lundi, je veux des excuses. Attention, boss, tu parles fort. Tout le monde bat les couilles. Merci, allez, okay. Ça marche. On lundi, fait ça. Je veux des excuses. Et après, pour les hosties, c'est débrouille comme un grand. Allez. Et si jamais il y a un des points qui lui va pas, je viens raser son putain de quartier de merde. Et lui et ses amis, on les trouve tellement des balles qu'on les appellera plus les balles, on est trop des balles. Mais pas mieux. Pas mieux. Ouais, ça marche. Mieux. Allez. On se met. Ouais, ouais, je 1250 sacs, des excuses. Je veux qu'ils viennent faire des véritables excuses, des merdes. Ouais. Ça marche. Il les fera lundi parce que là, l'infirmière, elle a dit c'est oh, Miguel. Ouais, je me doute. Je suis en train de et oui. Le dernier point. Ah non, pas avant lundi, on est quel jour? Mardi. Mais non, on est mardi. Ben, je veux les avant pour ce week-end. Je les veux pour vendredi après-midi, max. Vendredi après-midi? Allez, je lui dis. Si la dernière ligne, alors ils se sont fait braquer avant, je leur ai dit que nous on était au courant de rien. Ils n'ont rien à foutre qu'ils se fassent braquer. Ouais, ils voulaient s'assurer que nous on les braquait pas. Voilà. Et il ferme sa gueule, il fait ce qu'on lui dit de faire. Non, c'est bon, il arrête de tirer comme une merde, sinon nous on vient tirer comme lui. Exactement. C'est parce qu'ils ont tous à tirer comme des merdes sans parler. Bande de blaireaux. Et après, c'est là, ça chouille. Non, pas nous. Ouais, je vais me coucher, Pablo, je suis nazi. Ouais, ça marche. J'y suis pas là demain parce qu'il a vu dans quel état il m'a mis, mais ah j'ai oui, dit je suis là. Tu vas voir ton meilleur pote à Lyon, c'est ça? Oh bah je vais plus y aller là, je suis complètement pété. Ah bah je vais dormir deux jours. Deux jours. Mais, ouais, c'est à nous la voiture là? Oui, impeccable. Ouais, c'est à nous. Je demande à celle qui est la plus basse, jamais j'arrive à monter dans la grosse. Bon bah dommage, j'étais dans la grosse. Bon, t'es à la villa? Non, je suis derrière toi, dans le gros. Ah d'accord, ok. Et... Non, ben là, j'y vais plus à Lyon. J'ai une place à Nibal. C'est triste, ça. J'ai dormir 24 heures. 24 heures. 24. Le médecin, toujours plus. Ah toujours oui. Plus. Il serait là jeudi. D'accord? Allez, ça roule. Bon. Le Miguel? C'est vraiment des merdes. Jamais discuté dans cette ville. On va direction Villa, monsieur Miguel, ou? Ouais. Ouais, parti. La direction Villa, du coup, pour nous.
S'ils font chier les balas, c'est en arrière de la carte. Ah, ils m'ont pas loupé, hein. J'en ai pris une pleine tête. Ils avaient l'impression d'avoir pris une dans la tête, mais apparemment ils ont touché la poitrine d'après les médecins. Ah non, moi j'ai une cicatrice au front. Discutez tranquillement avec sa chouve des merdes. Tu vis une terre dessus. Quelle sale merde. Ah, alors, décret. Les gouvernements autorisent la possibilité de fouiller l'individu par les forces de l'ordre lors d'un contrôle aux abords des supérettes. En cas de délit des fuites et en absence du bureau du procureur, tout agent de grade de brigadier ou supérieur est en mesure de procéder à la saisie du véhicule pour une durée de 24 heures. Oh, Mike, il est chaud. Oh, les enculés. L'effet de s'être trouvé en état des multirécidives de braquage des supérettes entraîne une peine d'amende de 19 500 $. Parce que maintenant, la multirécidive de braquage, c'est 20 000 balles d'amende et 2 heures de fédé. Ah, c'est vrai, tu conduis, toi. Jusqu'au 24 décembre. Nickel. Bon, déjà, c'est bien, c'est que nous, nous chopent jamais. Avance jusque là-bas. Et oui, tu peux aller te mettre devant, Ben. Toujours plus, ces gouverneurs. Heureusement qu'à la base, il était pro-criminel et surtout qu'il... Cet abruti avait carrément des... Il a des amis criminels, cet abruti. Ah, déjà que là, ils sont en 4-3, déjà. Bref. Je vais me coucher. Je suis de retour jeudi. Entre temps, vous savez quoi faire. Faites attention à vous. Ouais. Vous allez bien, quand même? Bah, moyennement. Enfin, après, les médecins, c'est pas... Un grand mot, mais... Bon, vous avez vu, c'était merde des gouverneurs, ce qu'il a encore publié. Non, j'ai pas, non, vu. J'ai pas vu. Donc, à partir d'aujourd'hui, toute personne parlant d'une supérette peut être fouillée, point. En cas de délit de fuite et en absence du bureau du procureur, la voiture sera saisie 24 heures. Si quelqu'un a un multirécidif de braquage de supérette, c'est 20 000 $ d'amende, 2 heures de prison fédérale. J'ai encore plus envie de leur tirer dessus, quoi. Toujours plus. Voilà. Toujours plus. Et ce décret jusqu'au 24 décembre. Comme voilà. Par hasard. Ouais, jamais ils m'attraperont 3 fois en 24 heures, moi, ou en 48 heures, donc c'est bon. Mais toi, tu braques pas. Ouais. Tu conduis. Ouais, mais si t'es avec moi, jamais ils nous attraperont 3 fois en 48 heures. Bon, moi, c'est baisé, les médecins se sont dit qu'il faut que je me repose, donc je me repose. Et je suis de retour jeudi. Demain, ce sera un repos total. Et je serai comme un lion. Repos total. Comme la ville, d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Et je suis de retour jeudi. Allez ? Ça marche. Ça marche. Allez. Reposez-vous bien. Faites attention. Et expliquez tout à Ben. Vous aussi. Tu veux qu'on t'accompagne ou ça va aller? Non, ça va aller. Ça va aller, Milan. Merci. Pour moi, ça va être l'occasion d'arrêter. Ça commence à tirer fort, là. On aura fait quoi, 3h30 de live. Il faut réhabituer mon œil petit à petit. Le temps que la cornée cicatrise, il y en a encore pour 48 et 72 heures. Et là, je vous avoue que ça tire fort et que mes yeux me font défaut. Parce que là, je commence à avoir le côté où l'œil réapprend. Et vous voyez, j'ai la tête qui tourne et tout, j'aurai envie de gerber assez vite. Mais entre l'œil et le trauma crânien. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous faire du live, mais de reprendre aussi en douceur pour que, voilà, ce soit pas pour vous, je force pas trop non plus, et que vous passiez un bon moment. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez kiffé un petit peu. Moi, j'ai bien kiffé. On se retrouve demain, en direct de Lyon à 20h, pour Top 1. Je serai en compagnie de Shaw, mais pas que. Vous verrez toute la suite demain. L'objectif, ça sera de faire Top 1 sur Call of Duty. On pourra faire pan-pan. Ça va être fun, ça va être drôle. Il y a même, il paraît, un bandeau de pirates. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous verrez ça demain. Mesdames et messieurs, je vous invite à me suivre sur Instagram, puisque vous aurez toute la journée au départ. J'ai un bon 6 heures de train à me taper. Mais je vous présenterai, apparemment, un endroit dans le train incroyable du cul. Ça sera sur l'Instagram, mesdames et messieurs. Merci à vous.
Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain en live pour Top 1. Des bisous à vous, merci d'avoir été aussi nombreux. Gros bisous à vous, bonne nuit. Moi je vais me coucher, voilà, je vais être encore un peu dans le mal là, mais ça va bien se passer. Bonne nuit, bisous! Look left, look right, and I come with a hook right. Woo. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the sauce when I cook like. Woo. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Woo. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Shug Knight, and they know this took time. This what a legacy look like. Come with a hook right, hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm with.